Bonjour et bienvenue à Sojibank Saturday Startup. Bienvenue à Sojibank Saturday Startup. Et c'est pour nous encore une fois un immense plaisir d'être avec vous pour cette troisième session de SSS. Un petit rappel rapide. Premier intervenant que nous avons gagné, c'était Marc Alain Boussico qui t'a présenté nous un canevas qui te permet de évaluer le modèle d'affaires nous en 9 questions. On a rappelé tout également que toute séance ça est disponible sur page Sojibank. Donc si vous besoin font rappel ou qu'a toujours à regarder. Dans la deuxième session que nous avons gagné, nous avons gagné avec nous Work André qui t'a présenté nous comment présenter son projet d'entreprise pour convaincre. Josia, nous avons un réel plaisir pour nous gagner avec nous sous plateau. Madame Laura Edma Georges, qui est directrice de réseau crédit de Sojisol, en filiale de groupe Sojibank. Elle a gagné un master de l'Institut technique bancaire, ITB. Elle a gagné un diplôme de français des affaires, deuxième degré de Paris. Elle est également licenciée de l'École nationale supérieure technologie, ENST, de Port-au-Prince. Donc, Madame Georges va présenter nous aujourd'hui là un sujet qui est assez intéressant, c'est comment gérer une PME en période de crise. Bonjour Madame Georges et bienvenue à Sojibank Startup Saturday. Bonjour Claude-Philippe, bonjour aux internautes, bonjour à tous les participants qui sont ici dans la salle. Nous pensons que son initiative assez louable que Sojibank prend avec Bunch pour informer PME, pour dire PME, qui rôle yo, qui importance que gagne dans société a. Sujet nous pral parler là Jean-Claude-Philippe Tian, c'est nous pral parler de comment on capable gérer un PME dans temps de crise. PME a li très vaste, li vraiment très vaste. Il y a un pile sujet, il y a un pile point qui capable aborder, il y a un pile problématique nous capable toucher. Mais ça qui l'en cœur sujet ça matin, c'est comment on ka fait lors en crise. Qui ça un PME ka fait lors en crise? Avant que nous entrions dans le cœur du sujet, avant que nous entrions dans la recommandation pour gérer un PME dans le moment de crise, nous allons dire qui est un PME. Une PME, il y a beaucoup de gens qui, des fois, ils disent PME, ils ne connaissent pas qui ça acronyme ça veut dire. PME à qui ça lié? PME, c'est une petite et moyenne entreprise. N'a dit PA pour petite, moyenne et M nan pour moyenne, EA pour entreprise. Donc c'est entreprise que qui définit par taille. Donc combien employés que le gain pour déterminer une PME, on va commencer par déterminer la partie de effectif de son bilan et de son chiffre d'affaires. Mais comment nous définit bilan ça? Comment nous définit nombre d'employés ça? Chaque pays définit une façon. Jean que définit l'Haïti, c'est pas comme ça qu'on définit dans tout pays. Il y a un pile côté que définition rejoint nous. Donc, Jean nous dit là, pour un PME, pour dire où son PME, il faut commencer à partir de l'effectif. Et un pile côté, dans un pile société, c'est le premier élément pour définir un PME. Et Jean dit, il définit en fonction de chaque pays. Fon dit tout que PME yo très hétérogène, yo très varié, yo lan diverses activités, yo lan divers secteurs, yo lan diverses filiales. Avant nous aller comment nous voyons PME puis devant comment nous voyons PME en Haïti. Comment on définit un PME en Haïti? Puisque sujet 1, c'est comment gérer un PME en temps de crise en Haïti. En Haïti, yo définit un PME comme étant une entreprise qui a entre 10 et 100 employés, un chiffre d'affaires annuel entre 5 et 50 millions de gourdes, nous parlons d'annuel, et des actifs jusqu'à 1 million, jusqu'à 50 millions de gourdes. C'est comme ça que l'association définit yon PME. Mais il y a l'autre pays tout qui définit comme yon même gens, la même définition de base, la même définition statistique, à savoir l'effectif, le bilan,
N'a prend par exemple pour en France côté que un PME est toujours situé entre 10 à 40 employés. Donc dès que entre 10 à 40 employés, considérez que ou sont petites et moyennes entreprises. Ça qui arrive dans deux pays qui fait de sous-catégories dans PME. L'homme prend exemple la France que dit que entre dès pour gain 10 à 40 employés ou c'est une petite entreprise. Ou pourquoi une moyenne entreprise. En partant de à partir de 50 à 250, vous faites partie de une moyenne entreprise. Au-delà de ça, au-delà de 250, tu fais partie d'une grande entreprise. Il y a des pays tout qui ont des intermédiaires, de catégories intermédiaires qui créent des ETI, qui sont des entreprises de taille moyenne avant que vous passez dans grande entreprise. Donc, c'est comme ça nous-mêmes en Haïti, nous définissons PME, entre 10 à 100 employés, un chiffre d'affaires entre 5 à 50 millions de gourdes et des actifs jusqu'à un maximum de 50 millions. Mais il ne faut pas oublier, nous parlons de PME. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire que depuis que vous n'avez pas plus que 10 et plus employés, 10 à 100 employés, c'est que vous n'avez pas en PME. Si vous avez 5 employés, ou 4 employés, par exemple, tu fais partie des TPE. Les TPE, c'est les micros, ce sont les petites, les très petites entreprises. Donc, dès que vous ne situez pas, vous ne respectez pas ça, vous êtes supposé la catégorie des très petites entreprises que vous aurez des TPE. À part deux définitions statistiques, PME, on dit que yo rempli de l'autre condition qui fait qu'on a dit l'homme rivé sous terrain l'homme rivé sous marché à part de définition que nous faisons bayo ou ka dit ça son PME ça li gen allure en PME parce que gen deux définitions qui pas statistiques côté que classé PME. D'abord il faut dire que les PME en grande partie sont des entreprises familiales et individuelles ou individuelles. C'est entreprise familiale là qui a un mari là dedans madame nan petit des proches des parents proches donc c'est des entreprises familiales en pile là d'ailleurs ou des entreprises individuelles. Qui conditions qui caractéristiques en PME yo gen pile caractéristiques mais nous va laisser ouais ensemble deux trois caractéristiques qui ta ka défini en PME. Pour les PME on dit que dirigeants yo ils sont le patron, c'est eux qui fait toute bagaille, c'est eux qui prend toute décision, tout tourne autour du comme on l'aime les appeler des propriétaires dirigeants. Ils sont des propriétaires et ils sont également dirigeants. C'est pourquoi dans beaucoup de cas yo relé yo des propriétaires dirigeants. Donc toute décision qu'a prend c'est eux même qui prend décision. Donc, les employés ne sont pas vraiment impliqués dans la prise de décision pour faire avancer la petite et moyenne entreprise. Autre condition caractéristique qui définit au niveau hiérarchique, il n'y a presque pas ou il y a très peu de PME qui ont une structure hiérarchique, une structure pyramidale, qui ont organigramme qui dit voici ça c'est le directeur général, il y a un conseil d'administration, il y en a vraiment pas. Il y a très minime ça qui gagne de structure qui hiérarchique. Donc c'est pour vous dire encore que puisque tout passe à travers le propriétaire dirigeant, donc c'est lui qui décide de tout, il est le directeur général, il est le comptable, il est tout à l'intérieur de l'entreprise. N'oubliez pas que je vous ai dit que tout tourne autour du propriétaire, du dirigeant, qui est également le dirigeant. Il y a une relation de proximité entre le dirigeant, le patron et les employés. C'est normal à ce qu'il y ait cette relation de proximité. Pourquoi? Parce que Gampil Ladeau, c'est des entreprises familiales. Donc, c'est un époux, c'est une épouse, c'est un timoun, c'est une maman, c'est une tante. Donc, puisque l'entreprise là, la tourne autour de Mounsao, donc relation vient très, des fois même, on dirait même sentimentale. Donc, c'est le propriétaire qui s'engage. Il engage tout son savoir pour faire marcher
cette PME. Les salariés, je n'ai pas besoin de vous dire, par rapport aux premières conditions que je viens de citer, ils ne sont pas protégés. Mais c'est normal à ce qu'ils ne soient pas protégés, puisque l'entreprise, les PME sont des entreprises, il y a des entreprises, des PME qui sont formelles, il y a d'autres qui sont informelles. Donc, il y a des PME qui n'ont pas aucune structure, donc même tête, ils ne sont pas protégés. Donc, nous pas ça dit nous comment un salarié t'a fait protéger qui peut être un gros handicap. Donc les salariés ne sont pas protégés. L'entreprise en soi des fois n'est pas protégée. S'il y a un souci, s'il y a une crise, il y a une crise majeure, il n'est pas protégé tête li. Donc le salarié non plus n'est pas protégé. En pile fois salarié a, il y a des entreprises salariés n'ont pas même carré les salariés puisque il y a pas un salaire qui est dégagé pour les parents. Parce que les parents, des fois, c'est la même caille à vivre. C'est peut-être des autres personnes qui sont de l'autre côté, de l'autre employé, que vous payez. Et des fois, c'est seulement assuré que vous payez mon salaire. Donc, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien pour ces salariés. La stratégie pour faire développer une PME, elle est très intuitive. Il est très peu formalisé. Pour un pile, il y a yo pas formalisé. Quand je dis que yo très intuitif, je dis yo garder pour yo développer, pour yo innover, pour yo diversifier, c'est en fonction de ça yo penser, de expérience yo, de ça yon l'autre monde qui dans secteur, qui dans même secteur d'activité avec yo fait. Donc, il y a pas une stratégie qui est définie à la base pour dire que voilà, mais qui côté me sorti, mais qui côté me sorti, mais qui côté me voulait aller, mais qui côté me voulait arriver. Autre chose que nous sommes capables de dire par rapport à la stratégie intuitive, prenons la crise là de COVID. Il y a des gens qui juste gardent la situation hein, par expérience de crise, parce que il y a des pays, prenons le cas d'Haïti, nous tellement connus de crise, donc nous connaissons qui ça pour nous faire. Et l'un fait comme nous marchons, donc on n'a aucun intérêt à avoir une stratégie bien définie, bien écrite, pour nous dire que mais qui ça, la crise vini, mais qui ça nous a fait. Par contre, ils innovent rapidement. Ils s'adaptent rapidement au marché. Ils ne sont pas prêts à garder la crise. Ils ne sont pas prêts à suivre la crise pour dire qu'ils ne peuvent pas faire rien. Donc, ils s'innovent. Ils font bah, rapide. Et puisqu'il n'y a pas une structure, il n'y a pas une hiérarchie, donc tout tourne autour du dirigeant, du propriétaire. Donc, il est facile pour le prendre décision, il est facile pour le dire, mais ça m'a fait. Et des fois, cette décision n'est même pas partagée avec les autres employés. Donc, c'est une caractéristique encore que nous sommes capables de dire que PME a gagné. La dernière chose que je vois, comme j'ai dit, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, il y a une pile d'autres situations qui sont capables de définir une PME. Il y a des gens qui définissent de PME qui sont très discriminatoires autour. Dernier, ça m'a dit par rapport à PMEO, ils n'ont pas de comptabilité rationnelle. Là, je ne parle pas des exceptions. Dans la majorité des cas, ils n'ont pas de comptabilité rationnelle. Moi, à travers la SOGESOL, je travaille avec beaucoup de PME. Ce qu'ils ont, quand tu arrives chez eux, ils disent, est-ce qu'on a une comptabilité qui sort gagnée? Des fois, ce sont 5 blocs de reçus. Alors, qu'ils ont 10 employés, ils ont 15 employés. Son seul bloc de reçu. Des fois, c'est un cahier où ils notent, ils notent achat, ils notent vente. C'est tout ça qu'ils appellent pour eux comptabilité. Donc, le fait que l'entreprise informelle, en plus fois, ils veulent rester dans une situation informelle. Ça. Donc, qu'est-ce que ça fait des fois? Ça fait que dans certains cas, leur réussite, il n'y a aucun moyen pour prouver historique succès ça. Puis on dit voilà ce que j'ai, voici où j'ai commencé. Mais qui côté m'était une très petite et moyenne entreprise, n'était une micro entreprise. Donc voici où ce que j'ai fait, voici les stratégies utilisées qui viennent me succès ça. Et fondi nous connaît réalité en Haïti en pile fois succès qu'on définit à une entreprise qui n'a qui illégale, qui a fait de bail illicite. Parce que effectivement, quand tu arrives, tu vois l'entreprise grandir. Quand tu parles au propriétaire, ou pas web, ou pour qu'on trace qui ça fait que il fait succès ça. Et effectivement, des fois, il faut le succès. Quand Yoshita a parlé avant,
si tu allais écrire quelque chose ou tu as pour tracer parcours là, pour effectivement qu'ils ont fait un travail assez satisfaisant pour qu'ils soient capables d'arriver dans une situation de succès. Ça. Maintenant, parlons de quelques rôles et de l'importance des PME. D'abord, il faut dire que le secteur d'activité est très varié. Il y a le commerce, il y a le service, il y a la production, il y a l'agriculture, et pas oublier l'agriculture, là, on parle de lui, il y a un paquet d'autres filières, il y a l'industrie, il y a très hétérogène, j'aime ça dit tout au début. Donc, c'est un secteur qui est très diversifié. En pile côté que, en pile pays que PME a considéré comme un outil prioritaire, comme une activité importante dans le développement économique, résultat est toujours très bénéfique. Très bénéfique pour PME, très bénéfique pour société. Et ceci, je le dis, est pour les pays développés et pour les pays qui sont en voie de développement. Une fois que vous mettez PME, vous entrez l'envie économique dans le pays, vous avez un succès. Il ne faut pas oublier, nous dit que PME, c'est entre 10 à 100 employés. C'est entre 10 qui, si nous prenons une définition plus large, entre 10 à 250 employés. Là, nous prenons petite entreprise et moyenne entreprise. Donc, ça a porté en termes d'emploi, en termes de marché, en termes d'emploi, en termes de l'économie, il ne faut nous pas négliger. Donc, il a porté un plus, il a porté une valeur ajoutée dans l'économie. Donc, nous pensons que PME ont toute place dans la société. Ils ont besoin d'un support, ils ont besoin d'un encadrement. Et ce qu'on constate de nos jours, les PME augmentent au fur et à mesure. PME a poussé. C'est des petites entreprises qui sont devenues des PME, il ne faut pas négliger. Il y a un pile PME qui n'a pas commencé PME. C'était des très petites entreprises, des micro-entreprises qui se sont développées, qui fait que vous venez passer dans le statut PME. Donc, il ne faut nous pas mettre en tête nous qu'un PME n'a pas qu'à venir une entreprise intermédiaire, n'a pas qu'à venir une grande entreprise. C'est sûr que ça demande beaucoup d'encadrement, ça demande beaucoup d'investissement, pas seulement un investissement financier, ça demande beaucoup d'investissement. Mais il faut mettre en tête nous que PME a progressé. Il a sorti dans le stade micro, très micro, il passe dans le stade petite entreprise, il passe dans le stade moyenne entreprise, il traverse une entreprise de taille intermédiaire jusqu'à ce qu'il arrive à une grande entreprise. Il n'est pas évident que toute PME va arriver à développer une grande entreprise. Il n'est pas évident. Mais il faut dire qu'il y a moyen de les développer. Il y a moyen de les faire changer de catégorie. Regardons la situation d'Haïti. Nous, plein de petites entreprises, nous, plein de micro, de très petites entreprises. Quand on prend route d'Elma, on regarde, en pile là-dedans, c'est des très petites entreprises que vous avez. Il n'y a pas réellement des PME. Bon, il y a les têtes de PME, parce que c'est le mot, c'est l'acronyme qui est plus facile pour dire. Mais en pile là-dedans, pas des PME. C'est des petites, très petites entreprises, c'est des micro-entreprises. Donc, ils ont besoin de se développer. Ils ont besoin de se développer. Ils ont besoin d'innover. Ils ont besoin de grandir. Donc, constat, c'est que nous avons un pile jeunes ces jours-ci. Que ce soit des jeunes universitaires. Dans le temps, on pouffe en PME, c'est parce qu'on n'a pas rien, parce qu'on n'a pas l'école. Maintenant, c'est autre chose. C'est une autre vision. C'est une autre perception. Ou au travail, ou son salarié, nous avons un PME. Ou sont étudiants qui créent un PME. Donc, c'est pour vous dire que comment les PME émergent depuis certaines années. Ceci n'empêche pas qu'elles font face à beaucoup, beaucoup de risques, des difficultés très énormes. Ce n'est pas ça le sujet, mais nous voulons souligner ça. Ils font face à des difficultés assez énormes, qui seraient un autre débat, un autre sujet à traiter. Donc, on a parlé de crise. Fon dit que crise, comment comprendre? Une crise n'a jamais été une chose agréable pour une entreprise. Ce n'est pas un bagage facile pour vivre.
Il faut dire que les événements imprévus peuvent avoir des conséquences très néfastes, très dévastatrices pour une entreprise. Maintenant, l'on crise vini, l'on crise paraît, que ce soit tes senti la vini, que ce soit li vini de façon inattendue, qui ça entrepreneur l'en fait? Qui ça entrepreneur l'en ka fait? Fon dit que nous gagne deux catégories d'entrepreneurs. Gen entrepreneur, la crise d'en vini, li juste rete, l'ap suiv, l'ap tann. La p'tan pouwe qui s'appelle le fait, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du secteur privé, dépendamment de type de crise, il dit tête-li, la p'tan. Il fait le dos rond, il s'écarte, il ne prend aucune décision. Donc le dirigeant ne prend aucune décision. La p'tan, il ne peut pas comprendre pour combien de temps, mais la p'tan. Mais d'autre part, il y a l'autre entrepreneur, depuis la crise, paraît. Il te gete a réfléchi comment pour sortir dans la crise, comment pour l'adapter, qui stratégie pour le mettre en place pour répondre à la situation de crise. Donc, c'est pour vous dire que gérer une crise n'a jamais été une chose facile. Rappelez-vous, il y a deux catégories. Il y a une catégorie dirigeant, entrepreneur, vous mettez à l'abri, vous dites là, en crise, attention, je ne vais pas perdre du business moins. Yo pensé que situation idéale là c'est météo en côté, ils font le dos rond comme les chats, yo dit là moi même pas faire rien m'attend. Mais par contre il y a d'autres qui innovent et pas oublier nous dit dans une condition que PME la caillou yo gain yo innover rapidement. Donc crise en pile fois, là yo vini, yo pas vini comme ça. Yo vini pour entrepreneur là avec des menaces. Yo vini avec des soucis, yo vini avec des inquiétudes. Et yo vini avec des fois en pile opportunité. On dit ça en pile opportunité. Il y a des gens qui se sont prenons l'exemple de Covid. Il y a des monde qui suivent pendant et si je prends en mars quand le président a fait sa déclaration, l'école fermée, entreprise, usine fermée. C'est le fait d'annoncer seulement, je l'ai annoncé, c'est une crise. Il y a eu la crise où on a pu trouver deux cas, que tout le monde peur, tout le monde a mis à l'abri, tout le monde a sécurisé tête. Mais il y a une deuxième crise aussi dans la déclaration. Donc, côté annonce, la fin fait, la côté président, la fin dit, voici ce qui s'est passé, voici les décisions prises, que par place, vous me dites que ce sont des décisions qui prennent à la hâte. Mais comment, ce que j'ai regardé, c'est comment entrepreneur réagit. Comment micro-entrepreneur réagit? Comment PME réagit? Brusquement, en pile là, yo décide fermer. Yo fermer entreprise. Yo fermer pour quelques jours. Gang fermer pour quelques semaines. Mais le constat, on a vu au fur et à mesure que yo dit tête que est-ce que cette crise vient seulement avec des menaces? Est-ce que la crise l'en vini seulement avec des menaces ou est-ce que la crise vient avec des opportunités? Et c'est là où on parle que rapidement, il y a un cap innové, il y a qui carrément qui diversifie, rapidement, il faut diversifier. Il y a qui produit, qui part dans des secteurs porteurs, parce que la crise là qui a vini, qui a fait des secteurs émergés. Donc, il y a qui part dans des secteurs qui émergent rapidement, qui choisit développer, il y a qui choisit innover. Donc, il y a un pile de bagaille que l'entrepreneur décide de faire. J'ai des entrepreneurs, des PME que j'ai rencontrés qui par exemple prennent un secteur d'activité, prennent une activité qui n'en vêtements, qui n'en cosmétiques, qui n'en pas connaît qui gagne prêt à porter, qui gardait qui dit que qu'est-ce que je vais faire? Qui ça me prend le faire là? Parce que tout le monde est la caillou. Yo dit mon l'église fermée, tout côté qui a activité, pas connaît qui dépassait plus que 5 à 10 monde, yo pas qu'à faire. Donc, moun yo pap sorti, moun yo pap pral l'église, moun yo pap pral l'en fête, moun yo pa gen des activités de sortie, de grandes sorties à faire que pour que tu as dit, y a bon soulier, y a bon rad, bon ben produit qui kap pral rete là, qui pral amorti en quelque sorte. Mais entrepreneur sa yo, nous connaît gen pile la dan yo qui switch. Yo dit que produit sa yo, an kite yo la, nous pap perdu yo. Yo pral gen moment pour yo, qui switch, kale l'en produit de nettoyage, kale l'en
produits pour désinfecter. Donc, calé en masse. Donc, c'est ça que fait nous avons un pile de micro-entreprises qui nous a produit masse, un pile PME qui a produit masse, qui a produit désinfectant, qui a produit savon, des liquides, des produits de nettoyage. Donc, il y a un pile qui paraît, qui rapidement qui est innové. Mais on ne parle pas tout de qui est qui a suivi. Des fois, il n'y a pas même compte qui a suivi. Il dit, tu es bon, puisque c'est vêtements m'a vendu, puisque c'est chaussures m'a vendu, bon. Je ferme ou bien mal ouvri, si me vend, si me pas vend, pas vend. Et ce n'est pas des comportements à avoir si on veut développer une entreprise. Donc, quand la crise s'annonce, ça pour nous garder, ce n'est pas crise pour nous garder avec toute menace. Et si nous gardons menace, il faut nous garder comment nous transformer en des opportunités. Ce que je voulais dire, que ce soit en menace, que ce soit une opportunité, l'entrepreneur devra chercher à s'adapter à la situation. Je le redis, que ce soit une menace, que ce soit une opportunité, faut l'entrepreneur l'adapter. L'entrepreneur n'a pas arrêté, il dit ouais son menace l'a gardé. Il dit ouais opportunité a et puis il dit il pas faire rien tout. Donc il faut innover. Il faut que même côté crise apparaît là on qui soit fait pour qu'on t'apprenne réfléchir à stratégie. Donc, ce qui nous amène à partager avec vous quelques recommandations. Quelques recommandations pour mieux gérer une entreprise. Quelques recommandations pour mieux développer, pour innover. J'ai bien dit quelques recommandations. Peut-être qu'il y a un pile d'entrepreneurs qui sont dans la salle là, des internautes qui suivent nous, qui fait des expériences, qui est capable peut-être partager quelques recommandations avec nous tous. Parce que pas oublier que nous dit que PME est très hétérogène, il y a diverses activités, pour ne pas dire que il y a toute activité. Il y a fouillé, mais il y a côté au joint. Il y a censé comme des mondes qui cherchent plus d'opportunités. Donc, quand la crise arrive, la crise arrive sous nous, la crise arrive entrepreneur, qui ça le café? Qui démarche, qui ça nous a recommandé? La première chose que je recommanderais, c'est rechercher les opportunités que vous offre la crise. Allez chercher les opportunités que ça a porté pour vous. Donc, il faut faire un état des lieux, il faut faire un constat. Donc, il faut prendre en considération la dimension de la crise. COVID l'arrivée, qui ça a porté moins? Qui ça le permet de faire en plus? Comment le cas aider à innover? Comment le cas aider à développer? Et certaines fois, il faut dire que qui démarche? Qui ça me fait? Qui conseille moi commander? Qui sa voisin nan, qui peut être dans le même secteur avec? Qui ça lui fait? Qui ça fait déjà le gen crise? Qui type de crise? Parce que toute crise est pas même. C'est pas parce que nous dit crise, il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique, il y a politique. Donc, dépendamment de la crise, qu'est-ce que je peux faire? Comment l'entreprise peut-elle progresser à travers cette crise? Donc, pour moi, c'est le premier constat qu'il faut faire. Il faut rechercher les opportunités que vous offre la crise. Deuxième recommandation, je vous inviterai à surveiller votre trésorerie. Les entrepreneurs, soyez vigilants. Pas faire des bagages juste pour nous faire. Contrôlez la liquidité, non. Pas faire de dépenses juste parce que vous faites des dépenses. Pas faire de dépenses parce que voisin fait des dépenses. L'autre entrepreneur qui est à côté maintenant fait des dépenses. Il ne faut jamais faire ça. Il faut contrôler vos liquidités. Parce que des fois, la crise arrive, nous ne savons pas pour combien de temps la crise est là. Tant que vous avez pensé que la crise est là, elle est plus courte, pour ça, elle est plus longue. Et là, elle est plus longue, elle est catastrophique. Parallèlement, il faut investir. Il faut investir. Il ne faut pas investir juste pour investir. Moi, je dirais qu'il faut investir intelligemment. Investir intelligemment. N'investissez pas parce que faut m'investir
parce que moi entrepreneur bon côté m'a investi, parce que moi l'a fait si, parce que entreprise faut pas oublier que yo pa gen même rien. Toute entreprise yo pas aussi solide. Une entreprise qui ka kembe un mois, qui ka kembe deux mois face à une crise. Mais arrive à un certain moment, quelle que soit la durée, de temps en temps crise a vinn pi long, c'est de temps en temps même si tu as l'air insolide, les bras le frapper ou. Donc, si vous devriez investir, il faut investir avec intelligence. Pas investir n'importe comment. Il y a des gens qui ont investi, prenons le cas de Paylock, qui est un entrepreneur. Ils n'ont pas de choix, ils sont obligés de sécuriser l'entreprise. Leur passé, leur manifestation a passé, c'est tout ça que vous avez écrasé vite. Donc, c'est normal que l'entreprise ça. S'il voulait faire attention, pareil, pour si on l'autre situation, l'autre crise, pareil, vini, il est obligé de sécuriser. En pile fois, nous, on mettait des fers forgés. Ce n'est pas de l'investissement qui te prévoit. Mais on dit aussi, comme ça, une fois, deux fois, voici ce qui s'est passé. Le voisin, mais ça crive. Donc, l'entreprise, ça a côté à écraser. Ce n'est pas une chance que par la vie, par la pas écraser. Donc, il dit tête, donc, il faut sécuriser. Donc, c'est pour ça que je parle, il faut investir intelligemment. Nous pas qu'à dire, dépendamment de type d'entreprise, ou, comme, mais comment qu'à investir? Mais comment investir intelligemment? Parce que l'entreprise est très hétérogène, très variée, elle lance plusieurs secteurs d'activité. Mais à chaque fois qu'elle fait un investissement, connaît que l'investissement, ça va le rapporter, soit à court terme, soit à moyen terme. Il faut ensuite gérer vos dépenses. Ce n'est pas un moment pour nous faire des dépenses futiles. Ce n'est pas de moment pour nous faire des dépenses juste pour faire des dépenses. Il faut gérer vos dépenses. Et même repousser certaines dépenses si ça ne vaut pas la peine. Si dépense ça, ce n'est pas une dépense qui t'apprend à le rapporter nous. Ce n'est pas un investissement que nous t'apprend à le faire qui t'apprend à le rapporter nous en plus. Regardez le budget. Non? Gérer dépenses nous. Parce que si nous faisons dépenses comme ça, et nous disons pas qu'on quantité de temps crise ça va le prendre, donc nous risquons de faire faillite. Donc, attention, gérez vos dépenses. Ne dépensez pas juste pour dépenser. Même si tu devrais investir, il y a des nouvelles opportunités commerciales qui arrivent, il faut bien garder. Parce que bon temps, tout quand investi dans un produit, l'orga de crise, on pense qu'on va le faire un bel revenu avec, et puis ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que peut-être tu investis trop, peut-être tu n'as pas pris le temps pour comprendre, bien comprendre la crise, pour se dire est-ce que dépenses ça, tu es obligé de faire. Donc, gérez vos dépenses. Je ne dis pas de ne pas faire des dépenses, mais gérez-les. Réduis-les la mesure que vous avez réduit. Ça qui a reporté, ça qui a repoussé, on repousse. Accordez ou donnez la priorité à vos clients. PME, vous avez de clients. Vous avez de clients clés. Accordez la priorité à vos clients. Pas oublier que client gagnant, c'est lui-même qui est de supporter l'entreprise. C'est lui-même qui ne entreprise. C'est un allié que lui est pour. Donc, entreprise qui déjà l'emmène, un client qui déjà la caille, qui déjà fait route là avec lui, gérer. Parce que pas oublier, il est plus difficile, surtout en moment de crise, pour joindre des nouveaux clients. Bah, dit l'impossible. Parce que ça peut arriver que dépendamment de secteur qui a émergé dans le moment crisant, parce que faut ne pas oublier que crise n'a pas toujours venu avec menace. Il y a des gens c'est de opportunités que le pote pour eux. Maintenant, il y a des gens que c'est menace là que le pote transformer en opportunité. Mais il y a des gens visuellement ouais que c'est des opportunités crise dans le pote pour eux. C'est juste pas qu'à dire que si crise a arrêté, il t'a pris bon moment. Donc, gérez vos clients. Fidélisez vos clients. Parlez avec eux, voyez un message par eux, prenez une nouvelle, cherchez comment ça va passer. Donc, pas négliger les clients. Parce que, vous pas dire ça après. Vous avez une crise, vous n'avez pas tant d'eau, vous n'avez pas l'aim, vous n'avez pas fait un signe. Donc, il faut gérer les clients. Comme je vous l'ai dit, c'est moins coûteux que d'acquérir de nouveaux clients. Et c'est aussi le moment
de les fidéliser pour nous dire que nous avons, nous avons marché avec eux, nous pas plagué. Et n'oubliez pas que les PME, en pile fois, ils font de crédit, que ce soit dans des coopératives, des crédits individuels à travers un parent, un ami, que ce soit des institutions de microcrédit. En pile fois, ils ont engagé. Je vous inviterai à négocier des délais de paiement avec les institutions de financement. Si tu as un monde qui te finance, si tu as une entreprise, il ne faut pas peur à l'écouter. Il ne faut pas peur à négocier avec vous. Il ne faut pas oublier que dans le moment de crise, l'entreprise a vécu la crise. Il y a des entreprises qui prennent des décisions pendant la crise. Je prends la COVID-19. Il y a des institutions qui prennent des mesures pour accompagner les clients. Mais il ne faut pas oublier que ou gen wagon besoin qui très particulier. Si ça offre on là, il paraît qu'on a besoin, il faut aller vers l'entreprise, aller négocier délai de paiement, aller négocier pour qui ça ka fait, pour entreprise en pas mourir dans monde, pour entreprise en pas chuter dans monde, pour entreprise en pas faire faillite. Allez-y, allez négocier, c'est important. Si on vous offre quelque chose, il y a des offres. Là, nous fait prêt. Là, nous avons une dette. Soit fournisseur, soit salier, allez négocier. Allez expliquer la situation. Si on a une institution de microfinance, si on a une institution, je ne sais pas, de microcrédit, de coopérative, allez côté. Allez discuter avec agent de crédit. Allez discuter avec officier de crédit. Allez discuter avec superviseur de crédit. Insister. Parce que l'institution a besoin ou besoin. Et où ses clients, Il besoin accompagner ou besoin l'accompagner. Donner ou accorder la priorité à vos clients, comme je l'ai dit. C'est moins coûteux. Faites la prospection de nouveaux fournisseurs. Pas mettez tout dans seul panier. Pas mettez tout dans le seul panier. Parce que si fournisseur ça prend un choc tout, si crise ça a un impact, il a un choc tout, la bon choc sou, la bon impact sou. Donc, li ka difficile nan moment pou l'épargner, li ka difficile pou l'accompagner. Donc, essayez de diversifier, faites la prospection, prospectez, allez vers les fournisseurs, allez vers d'autres fournisseurs, regardez qui ça ka fait, discutez avec eux. Comme je vous ai dit, le danger d'être entraîné dans leur chute probable devrait être évité. Ce qui paraît bizarre, des fois la crise en paraît. Il y a beaucoup d'entreprises, première réflexion, bon, il y a une crise, pays fermé, je vais voir employé aller, je vais dire bye bye, je m'a prédit non personnellement. Ce n'est pas la première chose pour moi-même à faire. Au contraire, il faut donner de l'énergie à vos employés. C'est le seul moyen de les garder en confiance et de resserrer les liens dans votre équipe. Pas négliger. Une équipe qui est sous tension, il a un pile impact sur l'entreprise. Il faut les rassurer, il faut communiquer, il faut les informer, dire mais qui ça a fait. Il faut que nous rassurer pour connait que si nous pas voyer aller, faut connait que nous pas voyer aller. Pas quitter en doute. Pas quitter employé en doute. Parce que l'employé a pas en doute, c'est payant. Il saura quoi faire. L'a investi, l'a bay tête li entreprise. Donc, entrepreneur, communiquer, informer, rassurer. Ça, je vous invite vraiment, vraiment à le faire. Je ne sais pas si on peut avancer pour nous avec la présentation. La dernière chose que je pourrais recommander, et que je recommanderais, nous avons minimisé le caractère pipiti dans la présentation. Parce qu'il y a un pile d'entrepreneurs qui dit ça pas important, nouvelle technologie, si, ça pas important. Et pourtant, ça commence à être important, ça va devenir important. Et ça va vous aider à la longue, à l'avenir, de réduire vos coûts. Nous allons demander comment le réduire. Il y a un pile dans nous qui a dit, date m'a fonctionné, date m'a entreprise moins,
bah j'aime les nouvelles technologies, ça pour me faire. Mais j'ai vu des petites et moyennes entreprises qui innovaient, des entreprises qui ont produit alimentaire, qui te kon vendre, c'est la caillou à l'acheter, qui viennent livrer la caillou, qui écrit ou, qui voient des messages, qui voient des textes pour le dire, pour le demander, prendre une nouvelle, pour le demander pour protéger tête. Donc ça, c'est des bagages déjà qui fidélisent les clients. Donc ne négligez pas ça. La nouvelle technologie sera importante. Peut-être pas maintenant, pendant que nous avons fait là. Nous ne devons pas ouais, bien faire pendant que nous avons fait là. Mais à l'avenir, ça va vous donner une longueur d'avance par rapport à la compétition. C'est en quelque sorte ces recommandations que je voulais vous faire pour gérer au mieux une PME. On pourrait avancer avec la conclusion qu'on nous présentait. Il faut dire que si n'a pas parlé de crise, n'a pas parlé de difficulté, n'a pas parlé de complexité crise là. Je ne sais pas si on peut présenter pour nous les slides qui me manquent. Les slides, merci. Voilà. Je voudrais insister sur la conclusion pour les PME. Il y en a là dans la salle, il y a des internautes qui ont des entreprises, des PME. Et ces conseils sont aussi valables pour les micro-entreprises, les TPE, qui vont et qui pourraient devenir des PME à la longue. Comme je l'ai dit, une crise n'a jamais été facile à appréhender. Et ceci dépendamment de complexité. En période de crise, il y a deux choses. Il y a deux choses à faire, pas plus. Soit vous vous préparez à être prêt à la relance. Faut nous préparer. Nous pas qu'arrêter, n'a pas garder, n'a pas attendre, n'a pas suivre qui ça? Parce que c'est ça business nous, c'est ça nom nous. C'est PME, n'oubliez pas, c'est des entreprises individuelles, c'est des entreprises familiales. C'est là-dedans, c'est des sources de revenus. C'est lui qui crée emploi. Donc, là, nous restons à garder, si nous ne préparons pas pour nous relancer, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les employés, taux de chômage va augmenter, nous obliger à licencier des employés. Donc, il faudrait vraiment être prêt à la relance. Préparez-vous à la relance. Il y a de monde, comme dit, opportunité en vini, lui tout prend, lui pas en menace pour lui. Mais il ne faut pas hésiter. Préparez-vous à la relance. Si vous ne vous préparez pas à la relance, ce sera la faillite. Je dis bien. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre alternative. Soit vous vous préparez à la relance, quand elle va venir, soit vous vous préparez à faire faillite, parce que si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas l'autre côté de bralé, c'est faillite qu'on fait. Donc, lorsqu'une crise survient dans une entreprise, qu'elle soit due à des causes internes. Que son bagage interne qui passe. Parce que crise n'est pas obligée seulement yon bagage qui sorti dehors, externe. Que ce soit une crise interne ou une crise externe, elle exige un management très adapté du dirigeant. Donc, chers entrepreneurs, soyez agiles et efficients lorsqu'il s'agit de crise. Et il ne faut pas négliger que les entreprises ont besoin de formation. Les entreprises ont besoin d'accompagnement. Les entreprises ont besoin d'accompagnement du gouvernement, du législatif, du secteur privé. Ils ont besoin de financement. Donc, préparez-vous à la relance. Donc, les autres secteurs, jouez votre rôle. Il faut jouer votre rôle. Il faut que le gouvernement, le secteur privé, il faut qu'ils s'harmonisent pour apporter des outils aux entrepreneurs. Car c'est le noyau de l'économie. C'est le noyau. Ils apportent la vie à l'économie. Ils apportent leur participation à la diminution du taux de chômage. Donc, ils ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin
des supports. Ils ont besoin d'outils pour innover et pour développer. Merci. Merci beaucoup, Madame Georges. Et c'était plus que parfait. Mais, Madame Georges, est-ce que, à vous entendre parler, est-ce que PME, est-ce que tu as un intérêt pour gagner plus PME dans la société? Bon, malheureusement, il n'y a pas de accompagnement. La bataille serait ça, serait d'avoir des PME. N'oubliez pas que le premier élément qui définit un PME, c'est effectif. Donc, c'est emploi. Déjà, il y a emploi. Le fait que la bail emploi ou entreprise a bail emploi, ça aide à la société, ça aide au pays. Regardez notre taux de chômage. Donc, autant que micro est capable de vivre des PME, c'est autant que ce serait intéressant pour l'économie. Vous ne voyez pas le gain en situation de manifestation, de pays lock. Les micro-entreprises sont fermées, il n'y a plus de vie. Il n'y a pas de vie dans la société. Le gain pays lock, il n'y a pas de vie. Parce que c'est sur toute la route où on peut rencontrer de micro-entreprises, des PME. Donc, depuis qu'on ferme, où elle a rien fluide. On ne peut pas parler de gens qui sont installés. On ne peut pas parler de vie où elle n'y a pas de vie économique. Tout le monde est à la caillou. Et l'on moun chita la kaili, il n'y a pas de revenu, il n'y a pas de salaire. Nous comptons ça représenter pour yon ménage. Nous comptons ça représenter pour yon ménage. Donc, il a tout intérêt nous pour que tu aies plus PME. Pour nous t'a plus développer les TPE, les micro-entreprises, pour nous t'a faire revenir PME. Parce qu'ils apportent l'emploi et ils apportent apport l'envie économique payant. Il y a des pays qui représentent 49% de l'économie en termes de pays qui, même en termes d'employés, ils ont beaucoup d'employés qui représentent la vie même, 50% des entreprises. En France, je regarde que près de 90%, plus de 90%, ce sont des PME et des fois confondus avec même les TPE. Donc, il est important pour que nous t'a créé même des institutions de coopération pour qui accompagner PME. Parce qu'en pile fois, yo résout problème PME yo à financement. Non. Pas dit que pas gen problème financement. Effectivement, il peut y avoir un problème de financement, mais il y a des institutions qui s'occupent des PME, qui donnent des crédits aux PME. Parce que des fois mon nan vini, il vin pour un crédit, ils ou li son PME, mais il doit pour un PME en réalité parce que institution fait analyse, pas oublier que en pile PME, yo pas gen de cahier comptable, yo pas gen rien, yo pas gen structure, yo pas formalisé. Mais institution yo prend responsabilité, institution qui a bail crédit yo prend responsabilité pour évaluer entreprise sa yo pour faire de crédit. En pile fois yo concentré problème PME en financement. Non. Effectivement, il peut y avoir ce problème. Mais il y a des problèmes d'encadrement, problèmes de formation, problèmes je ne sais pas d'assistance technique. Ils ont besoin de ça. C'est ça qu'on va faire développer. Ils ont besoin d'entendre l'autre monde, ils ont besoin d'avoir l'autre expérience, ils ont besoin d'entendre ça l'autre monde fait. Donc, c'est un coup, il travail des fois avec Zongyo et il y a un pile fois, mettez tout chose sous prêt, il n'y a pas fait prêt, il n'y a pas de crédit. Il a résumé toute vie PME à ça. Alors que tu pourrais être une PME, ou pas besoin de financement dans un premier temps. Ou qu'à commencer l'entreprise, ou pas besoin de financement, ou qu'à gagner assez solide, tu peux avoir assez de liquidité pour kembe à PME. Donc, tout autant on a réduit PME en problème de financement, il n'y a pas jamais qu'à évoluer. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a la formation, il y a l'assistance technique, il y a le marketing. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'outils, comme j'ai dit, que PME a besoin pour être capable d'évoluer, pour être capable de développer, pour être capable d'innover. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, nous avons besoin. Et nous avons besoin plus PME. Parce que nous n'avons pas gagné en pile PME. Nous avons besoin PME. Nous besoin de conversion. Nous besoin de micro qui traverse, qui a grandi, qui a des stratégies, qui a pour qui côté au sorti, mais qui côté au rivé. Nous besoin des moyens d'entreprise. C'est tout. C'est tout un package que nous besoin. Donc, fort micro-entreprise, pas jamais dit que je ne peux pas jamais mon petite entreprise. Je ne peux pas jamais mon moyen d'entreprise. Faut le joindre accompagnement.
Et ça, il n'y a pas seulement l'accompagnement de la personne. Moun nan déjà un paquet d'efforts. Il faut jouer une structure, il faut jouer une sécurité, un paquet de bagages, il faut jouer une l'eau, il faut jouer un courant. Il faut chaque bagage par un big deal pour lui. Il déjà a assez pour supporter. Et minimum, il va gagner. Effectivement, Haïti a besoin de beaucoup, beaucoup de PME. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va gagner beaucoup de PME. Situation insécuritaire. Pas gagner de l'eau, pas gagner courant. Mais tout ça, PME a besoin. Pour le vin PME, tout le besoin, ça, il n'y a pas seulement chita, il a besoin de vin PME, ou bien il y a des gens qui chita de côté qui dit, fuck le vin PME, qui sont faits, qui accompagnement. Comment nous harmoniser nous pour nous dire, mais ça n'a pas été pour PME. Qui coopération solide, il y a des initiatives privées, mais qui harmonise ce qui est entre gouvernement, internationaux, privé, pour dire, harmonisons-nous pour que nous fassions PME au noyau dans le pays d'Haïti. Bon, Madame Georges, Laura, c'est comme si vous te connaissez, parce que Jolès Jean qui pose une question qui allait dans ce sens. Quels sont les moyens qu'il faut pour doter? Alors, quels sont les moyens qu'il faut se doter si on veut lancer une PME, en particulier dans le contexte haïtien? Vous avez évoqué deux, trois points là. Vous avez fait un petit rappel rapide pour nous faire spécifique avec la question Jolès Jean, s'il vous plaît. Bon. Nous pas dit que moyen en pile parce que moyen ou pas d'autre pas dépend seulement de clients. Donc moyen je ne sois dit là que m'évoquer, il pas dépend seulement de moun nan pral. L'idée que moun nan déjà gagné qu'a font start-up qui voulait commencer a, il déjà gagné l'idée. Des fois il gagne moyen financier. Il y a pas de cadre légal vraiment pour t'a dit que mais qui soit fait. C'est chaque monde qui levé au matin et puis il dit m'a font business. Je fais un business, je fais une micro-entreprise, je fais une PME parce que j'ai moyen, nous allons mettre ensemble. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose pour moi qui dit que je dois sortir de 1 pour arriver à X pour avoir une PME. Donc tout le monde a débattu, tout le monde a débattu en Haïti pour voir comment vous pouvez vivre pour tête, comment vous pouvez vivre pour famille. Parce que moyen est en pile. Nous pas qu'à citer moyen là parce que moyen tout son sujet que lié moyen son sujet que lié tout son sujet qui ça nous a fait donc ça nous vient là c'est plus pour monde qui gagne PME là dans situation de crise là dans difficulté comment qu'a transformer crise là comment faire crise là vient une opportunité pour lui comment qu'a transformer difficulté comment qu'a transformer menace parce que parler des moyens c'est encore un autre sujet parce que les moyens il n'y a pas d'ordre seulement secteur privé, il n'y a pas d'ordre seulement gouvernement, comme j'ai dit, ils doivent s'harmoniser. Moi, je pense que ça pourrait faire l'objet de notre débat, de notre sujet, que ce soit par moi-même, par l'autre monde, en plus l'autre monde qui a expérience dans le secteur, tu es capable de parler de moyens ou besoins pour nous mettre en entreprise. Mais pour le moment, je dois vous dire, nous avons PME, l'État va continuer. Oui, nous avons PME, je fais tout ça, je fais pas de monde qui continue. C'est peut-être moi-même ma famille. Une victime, ok. Ma victime, tout, tant mieux. Il y a des gens qui cherchent à formaliser. Même là, pour formaliser une PME, des fois, c'est difficile. Même pour formaliser, qui a une volonté de formaliser, c'est difficile. Donc, tout ça encore, c'est des éléments. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est tout un sujet. Les moyens, c'est encore un sujet. Nous n'avons besoin de faire une patente, son casse-tête. Son casse-tête pour le fond patente. Il est obligé de faire patente là, il est obligé de payer un raqueteur. Donc, le raqueteur a vint dans son PME, il a fait tout parce qu'il est obligé de gagner 50 clients qui l'ont vendu. Donc, c'est tout un problématique. Donc, là, parler, ce serait encore un autre sujet. En une heure, ce serait difficile de dire, de parler. Donc, c'est pour ça que nous centrons le sujet là, vers des recommandations pour essayer qu'un PME en vie dans le moment de crise. Merci, Laura. Et n'a pas répondre avec question ça que nous joignons sur Facebook en français poser Saint-Jean est-ce qu'on ne pourra pas partager le document via mail donc pour monde qui a posé question ça on a rappelé que vidéo ça aux sessions est disponible il est déjà disponible deux précédentes sessions sont disponibles sur page Bange sur page groupe Sojibank sous besoin regarder les pour reprendre information encore qu'à toujours aller sur page Facebook Sojibank avec Bange pour regarder. On a une question qui c'est de Dominique Le Gagnon encore sur Facebook. PME a confronté un pile difficulté. Est-ce que taux d'intérêt institution bancaire n'a pas qu'à diminuer? On a une réaction sur ça, Madame Georges.
Bon, est-ce que ton intérêt ou pas qu'à diminuer? Moi, je vais pas essayer de porter un élément de réponse. Parce que diminuer ton intérêt ou pas, on pas facile comme ça. Pas oublier que l'institution qui a fait crédit, c'est une entreprise qui est tout. C'est une entreprise qui est tout. Il y a des redevances, tout. Ce n'est pas fort père, mais on ne peut pas garder tête seulement que comment le cas diminuer. Diminuer, il dépend de toute somme sur table là qui est valable pour PME. Diminuer, il dépend de diminution coûts, des coûts fixes, des charges. Il dépend d'un paquet de bagages, de taxes. Donc, diminuer pas un bagage que vous avez écouté seulement, ou dit, forme diminuer. Et l'argent, vous avez investi. Et l'argent, yo. Donc, c'est des investissements aussi qu'ils font. Donc, nous pas arrêter pour nous dire carrément que oui ou non, ils peuvent diminuer. Diminuer dépend de beaucoup de choses. Et diminuer dépend de qui structure qui mettait en place dans le pays hein, pour réduire série de coûts, qui réduit série de charges, qui pas obligé de doubler coût pour gagner génératrice, pour gagner inverteur, pour gagner ci, pour gagner ça, pour pallier entre 3P et EDH. Diminuer dépend de. Donc, c'est pour ça que je me dis, c'est toute harmonisation. Diminuer le coût, pas dépendre seulement de l'institution qui a fait crédit. Les mêmes tous les gains de coût, les gains de change. Donc, je souhaite qu'un pile de monde entende ça. Parce qu'un pile de fois, on dit que crédit est cher, moun a tué moun, il a coupé coup moun, mais il a coupé coup yo tout. Il a coupé coup yo tout, il a coupé coup yo pendant que le loyer, chaque année, il montait, le loyer se paie en dollars, chaque monde fait ça, il voulait. Il a coupé coup yo tout. Et ce business, il a fait, il y a des redevances, ils ont des comptes à rendre. Donc, ce n'est pas seulement dit. Effectivement, parce que c'est un souci aussi, ça a fait plus moun prêter. Ça a fait plus d'entreprises développer aspect financement. Parce que Pabli me dit que ce n'est pas financement seulement qui a fait une entreprise développer. Parce qu'on a pris crédit ou fait faillite parce qu'on a mal géré, parce qu'on a de l'accompagnement pas gagné. Donc, ces entreprises ont besoin que nous appelons peut-être des entreprises intermédiaires, de taille intermédiaire, des grandes entreprises. Ils ont besoin aussi d'accompagnement. Ils ont besoin de support. Ils ont besoin de cadre légal, ils ont besoin de loi, bon paquet de bagages qu'ils ont besoin pour qu'ils jouent sous courant. Ce n'est pas levé un matin et puis, à ce moment, ils ont fait faillite, à ce moment, ils ont besoin de tout. À ce moment, même crédit, ils ont capable de joindre tout. À ce moment, c'est la même chose. Si on pas réfléchi à deux stratégies, ils ont mouru tout, ils ont mouru tout. Ce n'est pas seul PME qui a mouru. Donc, ils ont même tout, ils ont mouru. Donc, je pense que c'est une question assez intéressante. L'institution seule n'a pas dit la prédit. L'institution fait ce qu'il peut. Il fait ça capable pour l'accompagner client. Mais de l'autre côté, il faut chaque monde jouer rôle. Il faut chaque entité jouer rôle. Parce que si chaque entité pas jouer rôle, le crédit est cher. Et arrive un moment, PME a dit pas besoin de crédit. Il faut le jouer crédit, côté la jeune comme. Il faut le prendre crédit. Et s'il pas prend crédit tout, institution financière et tout, il a mouru. Donc, nécessité gain pour harmoniser, c'est très urgent. Il est très urgent, nécessité pour que le gouvernement, qu'on ait toute instance l'État qui t'a concerné, le secteur privé, international, je pense que la nécessité d'harmoniser, c'est très, très urgent. C'est très urgent. La bonne pour entreprise, grande entreprise, la bonne pour PME, la paix des PME vraiment développée, PME a besoin d'assistance, a besoin de formation. Des fois, ils ont investi, ils ont investi mal, ils ont investi parce que tes voisins ont investi, ça a marché pour. Ça marchait apparemment pour voisins parce qu'ils ont vu que ce voisin-là, il a un bel caille, il voyait petit qui étudiait à l'étranger, il a dit qu'il a investi. Donc, il n'y a aucune étude, aucune stratégie. Donc, là, on a parlé de monter entreprise. Son matin, il a levé le regard, il dit qu'est-ce que telle entreprise a marché, oui. Moi, un niveau de vie développé. Bon, pourquoi il n'a pas investi dans le business ça? Pourquoi il n'a pas bon moins? Donc, il juste, il servit vraiment avec, je l'ai dit, avec intuition. Li. Donc, nous pas qu'à faire. Certes, intuition capotée en pile pour nous. Expérience n'a capotée en pile. Mais nous n'avons pas qu'à développer une entreprise avec intuition. Nous n'avons pas qu'à développer pendant que nos personnels sont seuls monde cap diriger. Donc, si pour nous développer le tout, il faut que nous bâillons un accompagnement, puis développer, puis passer de stade au stade, puis développer le nombre d'employés qui va donner encore, je le dis, capable de diminuer le taux de chômage.
Et rappelez-vous que nous avons de très petites entreprises qu'il faudrait développer en Haïti. Donc, pour répondre à l'internaute là, effectivement, entreprises, microfinanciers, coopératives, ils ont fait un pile d'efforts dans ce sens. Ils allaient vers les agriculteurs qui ont été négligés, qui n'ont pas l'agriculture. Ils allaient loin, Sojesol, par exemple, aller loin, aller dans la province. Il y a plein d'autres institutions qui font ça pour accompagner. Mais nous avons limite. Nous avons limite. Donc, qui est-ce qui a fait l'autre? Qui est-ce qui a porté l'autre ça au besoin? Donc, je pense que c'est vraiment une revendication en pile. Revendication en pile pour PME. Donc, PME, je ne sais pas si c'est nous-mêmes qui avons agi. Je ne sais pas si c'est nous-mêmes qui avons mis la tête dehors pour dire que ça n'est assez. Moi, je le dis, il y a des PME que nous gagnons, Sojesol, comme institution qui a fait crédit. Client du lit qu'on paye Kala en goud, il m'a dit parce que il y a dollar. Il faut le bail Kala. Parce que tellement ou elle est difficile pour augmenter le souli, il est obligé de m'aider. Il préfère m'aider le tant que l'augmenter le souli. Et il y a son marché qui est facile, et tel loue pas là en dollar, pour que ça pour louer pas là en goud. Donc il y a la vie facile. Pour qu'on place pour faire un business, c'est tout un dilemme. Moi je le dis, pour gagner courant, PME a une génératrice. Les petits panneaux solaires, les petites batteries, les et ça fait micro-entreprise avec PME, hein? C'est ça qui fait en pile fois, yo gagne tout métier, yo technicien, yo comptable, yo tout parce que avec quel moyen qui a pas fait toute bagaille ça, yo technicien, y a pas ajusté, y a pas rangé, yo gagne tout métier pour qu'a kembe entreprise en survie. Donc les institutions de microfinance, les institutions qui font le crédit, yo pas qu'à jouer rôle tout ça pour compte. Donc, c'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme au secteur qui serait concerné et au secteur qui serait intéressé au développement de ce pays, au développement des PME. D'accord. Madame Georges, il y a une question qui a fait de retourner. Même parce que mon cas posé, c'est peut-être parce que vous avez rejoint nous en petit classe en retard. C'est une question qui dit comme ça, quelle est la limite de prêt qu'on peut accorder à une PME. Question ça, on a précisé que le dernier monde qui posait là, c'est Loub Paul, qui m'a dit qui limite de prêt que tu as concédé à une petite moyenne entreprise. Bon, limite de prêt, il faut le définir. Chaque institution a un critère par yo, je prends le cas d'Haïti, chaque institution a un critère par yo qui définit balise, qui définit, de même que le définit plancher, qui pipitil kaba yo, qui définit de balise. Il n'y a pas une réponse exacte par rapport. Parce que ça va dépendre de la taille de l'entreprise, ça va dépendre de son chiffre d'affaires, ça va dépendre de qui type d'entreprise que le client a gagné. Donc, vraiment, pas c'est une fourchette qui est assez large, qui est disponible pour le client. Mais il faut que le client entre dans la fourchette. Il faut que le client organise pour l'entrée là-dedans. Ce n'est pas que vous allez dire où son PME, puisque tu es une PME, vous allez prêter autant comme. Donc, il n'y a pas de bagaille qui alentour pour que le client respecte. Mais je ne peux pas dire qu'il y a tel montant, mais il y a des entreprises qui prêtaient en pile, qui prêtaient des prêts de 10 millions de gourdes à des PME, 15 millions de gourdes, 20 millions de gourdes. Vraiment, ça dépend de l'évolution, ça dépend de l'évolution de l'entreprise, ça dépend de la taille de l'entreprise. Parce que Pabli me dit nous qu'il n'a pas de chiffre d'affaires jusqu'à 50 millions de gourdes. Donc, un monde qui a un chiffre d'affaires de 4 millions de gourdes, 5 millions de gourdes. Il faut mettre en tête que ce n'est pas de même taille. Donc, chaque entreprise gérée de façon particulière et chaque entreprise évaluée individuellement pour y prêter au comme ça. Mais je pense que ces jours-ci, la fourchette est assez large. Si on PME, l'a développé, l'a besoin de tout accompagnement pour le développer, je pense qu'il y a une assiette qui est assez large pour le joindre, pour le financer. D'accord. Et Madame Georges, j'ai une question à savoir, est-ce que vous êtes capable de faire et établir la différence entre un PME avec un startup? Bon, PME, moi-même, je l'appellerai aussi PME. Parce que pour qui ça aurait le PME? Parce qu'une fois que nous avons décidé, sauf que son entreprise qui pourquoi prend pied, c'est une entreprise qui pourquoi mettre pied la tête. Li gen wa sou papier, li gen wa tout vision, li tout stratégie. Li son entreprise, gen entreprise même qui météo dans cadre des entreprises qui gen jusqu'à 6 mois. Gen de moun qui météo jusqu'à 6 mois. Ça va dépendre de certains pays.
Donc, c'est une entreprise qui fait commencer, qui fait faire expérience, qui vient plus fragile, des fois que yo kon plus difficile, et je pense que en pile côté qu'on pas vle lancer m'a prendre des entreprises qui financent qu'on pas vle prêter ou qu'on pas vle peut-être fragilité ou expérience. Et je dirais même par rapport à situation à vécu pays, à situation pays d'Haïti, peut-être qu'il y a beaucoup d'entreprises qui très réticents à financer. On PME déjà bon maturité, le bon nombre d'années, il y a des entreprises qui définissent ça top pal qui dit que à partir de 6 mois ou son ou de 0 à 6 mois ou son start-up au-delà de 6 mois ou qu'a commencé financer ou bien pas financer et même parce qu'il y a un pile effort qu'a fait un pile réflexion qu'a fait pour financer des start-up des monde qui gagne de projets des entreprises que li voulait mettre sous pied projet Achita yo voit que son projet qui rentable c'est un projet qui gagne avenir parce qu'il y a un pile effort qu'a fait dans ça pour accompagner start-up. Mais une, vraiment, l'entreprise qui est accompagnée, c'est l'entreprise qui existe déjà, qui a au moins un an. C'est lui qui le plus souvent joue un accompagnement. Et je pense que tout problème n'a pas dit ça. Dans la mesure où vous commencez à résoudre, je pense que start-up, vous tout à prendre pied. Donc, il y a un peu de monde qui a de belles projets. Ils ont essayé, ils n'ont pas trouvé de financement, ils n'ont pas trouvé d'encadrement. Les loyers sont chers. Donc, légaliser, c'est une autre chose encore. Donc, je pense que start-up, n'a pas parlé de ça en pile. C'est très nouveau pour nous, start-up. Mais il faut dire que les start-up ont besoin de nous. Pour matérialiser, pour venir ça, ils ont besoin d'une assistance. Et assistance, là, il n'y a pas seulement financement. Certes, ils ont besoin de financement. Parce que lors d'un start-up, tout, en pile fois, il y a des gens qui gagnent, il n'y a pas qu'une réflexion. C'est, des fois, c'est un rêve, son objectif. Donc, il ne peut pas chita. Même dans l'esprit, en termes d'expérience, il n'a pas encore une expérience en ce sens pour dire que voilà. Mais je dois vous dire, il y a des startups qui peuvent commencer comme des PME. Il y a des projets que vous avez, il a besoin d'avoir 15-20 employés pour le démarrer. S'il m'a démarré la moins, peut-être que le pape balle ça que tu as besoin. Donc, vraiment, les startups, je pense qu'on doit commencer par les accompagner, les former, assistance technique, les financer. Ils en ont besoin. C'est un risque. Le risque est là, le risque est évident des fois. C'est même évident des fois. Mais il ne faut pas les négliger parce que ça va apporter un plus encore. Ça va apporter une valeur ajoutée parce qu'il y a des gens qui ont ça dans le sang, qui cap fait, qui cap développé, mais ils ont besoin seulement d'un push, d'un backup pour pouvoir se lancer. Merci, Mme Georges. Avant que nous prenions deux, trois questions dans la salle-là, nous avons deux dernières questions que nous apprenons en ligne. C'est une question de Chermont Ginel. Bonjour Madame Georges et merci beaucoup pour la présentation. Le secteur informel vers formel, formaliser l'informel ou pas? C'est une question de Chermont Ginel là. Et tout de suite après, nous répondons avec la question Vanessa qui se dit comment aider une PME à se recapitaliser en cas où elle aurait fait faillite après une crise? Bon, je ne sais pas si tu pourrais reprendre la première question. OK. Du secteur informel vers le secteur formel, formaliser l'informel, oui ou non? Ça, c'est chez Raymond Ginel. Bon, formaliser l'informel, ce serait idéal. Ce serait idéal, formaliser l'informel. Parce que l'informel vient avec son lot de problèmes. Mais formaliser l'informel, quand je dis idéal, c'est un rêve. C'est un rêve parce que nous pouvons nous prendre ça pour nous formaliser les formels. C'est une volonté de formaliser les formels. Parce que je l'ai dit au début, tout ça pour que tu aides, pour formaliser les formels, il faut qu'il y ait de loi, il faut qu'il y ait de protocole. Il n'y a pas de bail pour qu'il y ait. Comment on peut le formaliser? Les gens qui disent aux formels, ils ont une fois, c'est un patent que vous avez, et puis ils disent aux formels. Ils ont juste un patent et ils ont dit entreprise formelle. Nous vivons avec comme ça, mais il n'y a pas que ça pour une entreprise vraiment vine formelle. Donc, formaliser les formels, ce serait dans le cadre idéal pour Haïti. Idéal pour Haïti. Côté où on est, mais combien de PME on gagne? Moi, je le dis, quand on PME là, personne ne connaît si on gagne. Franchement, quand on aime gagne. Combien de PME qui gagne, dans quel secteur, combien de PME qui gagne dans tel secteur, qui secteur qui plus développé, qui secteur qui pas développé, qui secteur qui besoin plus d'assistance. Formaliser l'informel, c'est ça aussi. Mais est-ce qu'on est prêt?
Oui, formaliser l'informel, ce serait l'idéal. Mais on met pied à terre, on met pied à terre. On fait cri d'alarme, non, pour que ce qu'elle a demandé là, qu'un jour nous dit, on peut formaliser. Le monde qui est formel, là, il trouvait que son gros, d'ailleurs, son dépense, il ne fait pas tant, il va demander si. D'ailleurs, il n'y a pas d'exigence, pas qu'une exigence que vous faites. Cette exigence, des fois, ils ont plus à laisser un papier parce qu'ils veulent voyager, ils viennent l'acheter de l'autre côté, il y a des papiers que vous demandez. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des exigences là en Haïti qu'il faut qu'on dise, depuis que son entreprise informelle, facile pour me venir formel. Donc, ce n'est pas évident. Oui, effectivement, formaliser l'informel, ce serait idéal. Ce serait la bonne cause à défendre. Ce serait formaliser l'informel, d'aller vers plein de lois, d'aller vers des protocoles à adapter, d'aller vers des règlements. Donc, formaliser l'informel, ce n'est pas seulement dire que j'ai une patente, j'ai telle chose, j'ai une pièce d'identité, j'ai un petit papier au marché qui dit que je marché a. En plus, le PME, qu'on pense que c'est ça. Oh, je me formel, lui, parce que je marché a, j'ai quatre marchés a. Donc, il n'y a pas même qu'on ait déjà qui ça pour faire pour venir formel. Faut qu'on ait qui ça pour faire, mais qui démange d'un côté lié. Sous pas venir formel, c'est choisi pas venir formel. Mais d'un côté que qui dit, mais qui ça, si je voulais formaliser, voici ce que je dois suivre, voici le parcours à suivre. Donc, il n'y a pas ça. Sinon, nous ne pouvons pas avoir des autres ça. Nous ne pouvons pas avoir des autres ça, que tout le monde a fait entreprise, tout le monde décide le PME, tout le monde décide. Il choisit le PME sous qui critère, il va connaître. Maintenant, pour répondre à la question de l'autre internaute qui dit que est-ce que nous sommes capables d'aider une entreprise à capitaliser? Et moi, je dirais oui et non. Au capitaliser, qui ça te fait faire faillite? Qui ça te fait faillite? Donc, il faut que tu aies un état des lieux. Il faut que tu aies un constat. C'est pour ça que j'ai dit oui et non. Il faut que tu aies un état des lieux, entreprise ça, qui fait pour qu'on ait qui ça qui est passé. Est-ce que son crise, qui ça qui est d'elle? Il y a des institutions qui aident entreprises, de micro-entrepreneurs, au capitaliser, au, qui refinancer, au, qui aider, au, je ne te dis pas, aider, au, et allonger délai de paiement. Au. Il y a ça sur le marché. Mais pour me dire oui, nous sommes capables, il faut que nous ayons un état des lieux. Il faut qu'il y ait un constat pour savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que son monde effectivement car capitalisé? Est-ce que c'est pas une entreprise qui fait faillite totale? Peut-être qu'il était de changer secteur totalement. Donc il y a plein de choses à prendre en considération pour dire qu'on peut recapitaliser. Une réponse assez succincte, oui, non. Oui, on peut recapitaliser, mais comment? Qui? Suite à quoi? Qui s'acte des faillites ça? Donc, il faut cet état des lieux. Ou pas arrêter parce que mon client ou bien il fait faillite, il dit ou m'te fait faillite. Non, rien du tout, là, c'est pas prendre le branle, la fait première communion, la fait fête, la fait ci, la fait ça, son monde qui pas organisé. Donc, il y a plein de choses. Donc, d'où l'importance, avant même de parler de recapitaliser, il faut un état des lieux, il faut des constats pour dire si oui ou non on peut recapitaliser, si oui ou non cette entreprise qui a revivre. Et aussi, c'est pas une entreprise qui peut-être a changé totalement de direction. Mais, Madame Georges, j'ai l'impression que la question Vanessa ou répondre à 90%, parce qu'il y a un élément tout petit qui est échappé, non, c'est que de préciser en période de crise. Allons prendre l'exemple de pays Loc, où Ah l'entreprise est oui, frappée de. mais ce qui arrive, je ne sais pas quoi il répond à 90%. C'est la même chose, pays loc. Il y a des gens qui font faillite totale en pays loc. C'est qui ça qui te révèle? Il y a des gens qui font faillite totale. Donc, il n'y a pas même qu'à reprendre, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas rien. Oui, ou qu'à aider le recapitaliser. Oui, si c'est un client institution de microfinance qui fait ça souvent, sinon on n'en aurait plus. On n'en aurait plus. Si institution, pendant qu'on parle d'institution finance de taux, s'il n'y avait pas ces institutions qui étaient capables d'accompagner, ou faire confiance, prêter au lot, corps pour relancer, on n'en aurait pas. On n'en aurait pas. Donc, effectivement, nous avons aidé à recapitaliser dans la période de crise. Et actuellement, là, pendant le COVID, là, nous connaissons pile institution qui a fait des démarches, qui l'ont démarché, qui a aidé un pile client et qui commence à aider un pile client à recapitaliser. Netesse, moi je le dis haut et fort, Netesse, ces institutions, ils ne doivent pas jamais recapitaliser.
qu'on parle de taux d'intérêt élevé, qui est encore un autre débat, taux d'intérêt élevé, ne teste ces institutions, ils ne doivent pas jamais capitaliser. Ils ne doivent pas jamais avoir un parent, un proche, qui a assez de liquidité, qui aide à sortir de la situation. Donc, je pense que nous prenons un choc. Nous prenons un tremblement de terre. Nous avons un pays à ne plus finir. Un pays petit, un pays moyen, un pays grand, deux, trois mois. Ils sont là toujours. Et là encore, c'est l'institution qui a aidé. Il y a ces familles, mais c'est l'institution qui a aidé à recapitaliser. C'est les institutions de microfinance qui prennent le risque. C'est eux qui prennent le risque, qui prennent le corps déposant, qui a plongé Baou. Encore. Donc, ils le font. Et je vous dis là, après COVID, après cette relance-là, il y a beaucoup d'institutions qui sont dans la relance. Sogesol principalement est dans la relance. Il y a des gens qui ont besoin de diversifier, ils ont besoin d'innover. Il y a des gens qui ont stock amorti, il y a des gens qui perdent du produit totalement. Donc, effectivement, on est en train de les recapitaliser. Certes, pas le bon minimum, pas le bon exception à la règle. On ne va pas rentrer dans l'exception qui peut-être que malheureusement ne va pas aider à recapitaliser. Et le plus souvent, ce n'est pas seul crise qui fait ça. Parce que crise qu'on porte de gros chocs. Tout. Crise qu'on porte de gros chocs qui fait que l'entrepreneur, c'est lui qui décide de quitter ça. Malgré qu'on voulait recapitaliser, il est découragé, il dit, ah, c'est pas possible, on prend un tremblement de terre, on prend SIM, on prend opération Bagdad, on prend du feu dans le marché, tout le marché a boulé, ça n'est assez. Mais l'institution, il offre ça comme service. Il offre accompagnement ça. C'est pour ça que nous dit au départ, il y a un conseil, allez, lors d'une situation de crise, ou à vivre, il te met en crise externe qui a frappé en pile monde, il y a une crise interne à entreprise, allez vers les institutions, allez négocier, allez voir comment on peut recapitaliser. Il y a chita avec vous, parce que nous besoin yo, yo besoin nous. Donc il y a chita avec pour aider à recapitaliser. Donc il faut au moins identifier, c'est ça rentre dans le constat, est-ce que son crise interne, est-ce que son crise externe, qui ça t'est passé. Donc il y a différents types de crises qui caractérisent que mon c'est lui-même tout simplement qui décide, il dit j'abandonne. Malgré on veut l'accompagner, malgré tout accompagnement qu'on veut lui donner, il te dit j'abandonne. Je vis trop de situations. D'accord. Nous féliciter les participants, nous avons qui te prend le souhait pour répondre à mes quiz que Marc-Alain te mettait sous page Bange avec Sogebank, qui te joint l'opportunité pour y'a là avec nous. On a félicité parce que y'a présent. Deuxièmement, parce que y'a respecté et principe barrière yo port du masque distanciation sociale conjoncture oblige donc nous pas oublier que Covid là est là toujours entre-temps et yo fait signaler nous que gain deux questions dans assistance là et nous ta remet au prend disposition pour nous tendre s'il vous plaît. Bonjour. Merci madame Nora. Merci monsieur Sociéval. Qu'est-ce que vous parlez de tout à l'heure de micro-entreprise. On dit micro-entreprise bien qui prétend que c'est CPF. Moi, je besoin de connaître est-ce que ce type de service qui est là, mais c'est parce que le bail qui fait que vous prétendez que vous êtes CPF. Et deuxième question, hein, est-ce que une micro-entreprise capable d'une assistance bien supposée passer par PME pour avoir une assistance? Merci en pile pour question. Merci en pile pour question. Peut-être que vous êtes arrivé un petit en retard ou raté parti ça que bah c'est son question qui a aidé peut tout internaute peut-être qui était monté en retard ou rejoindre yo. Yo micro-entreprise, nous t'ai dit la définition statistique là, c'est effectif faux. Combien d'employés que vous gagnez. C'est effectif là qui détermine qu'on son PME. Donc prenons le cas d'Haïti, il faut commencer à partir de 10 employés. Donc, ça veut dire quoi? Debout en bas 10 ou 9 ou 8 ou 5 ou son micro-entreprise. Donc, son définition statistique n'est pas un critère qui discriminatoire. Donc, ou il y a 5 employés, ou il y a 7 employés, ou il y a 3 employés, ou il y a un seul employé, ou même ses dirigeants qui sont propriétaires là, ou son micro-entreprise. Ça, c'est une définition que vous avez. C'est tout un package. Yo dit, mais qui niveau de chiffre d'affaires pour gagner. Dès pour pas rentrer dans niveau chiffre d'affaires ça, dans niveau bilan, le montant qui fixe yo pour considérer. Dès pour en dessous,
De ça, considérons son micro. C'est même gentil, soit aller au-delà de critères qui définissent pour PMEO, des deux pays ont dit jusqu'à 250, ou aller au-delà de 250, ou pas en PME, ou car en entreprise peut-être de taille moyenne, ou de taille intermédiaire, ou bien ou sont grandes entreprises, dépendamment de critères qui définissent. C'est ça qui fait dit que chaque pays définit limite. Donc, PMEA, définition statistique, il pas discriminatoire. Il faut répondre à critères ça. Il faut dire que j'ai deux employés, ou bien c'est seulement qu'employé, je pas en PME. J'ai bilan à tel niveau, chiffre d'affaires à tel niveau, je pas en PME. Je suis micro-entreprise. C'est ça qui a situé PME. Donc, ce n'est pas niveau, ce n'est pas poste que je parais, je suis taille. Je juste garder mon entreprise belle, je dis que je suis PME, entreprise moins frais. Donc, il y a des critères qui définissent. Donc, dès que vous définissez les critères, vous avez supposé que côté ou enregistrer, ou enregistrer l'employé, ou enregistrer l'employé, ou signer ça. Donc, nous sommes PME, ou dit tête ou à ce moment, qu'a qualifié tête ou de PME. PME a vu un discours de, c'est peut-être le mot le plus facile, parce que il y a des pays qui utilisaient, comme on parle là au début, des TPE, des très petites entreprises, qui sont des micro-entreprises de ce qu'on parle. Donc, sous mon business, que c'est vous-même qui sont ces propriétaires-là, ou son TPE, ou son micro-entreprise, donc ou son très petite entreprise. Je ne sais pas si tu as reprendre le deuxième volet question. Hein? Oui, oui, vas-y. Deuxième volet, c'est est-ce que une petite entreprise supposée passer par PME? Du tout pas. Il pas obligé de passer. Ou ka ouvrir entreprise, ou ka son PME, ou ka ouvrir entreprise ou rempli conditions pour un PME. Donc, sous son très petite entreprise, ou capable de travailler pour développer, sous ta remède de développer, ou capable de travailler pour développer, pour venir en PME. Li pas qu'à dire son choix, certes, mais aussi, li dépend de tout qui accompagne mon joint pour être capable de développer, pour venir en PME, pour venir remplir conditions, pour gagner temps employé, pour gagner temps chiffre d'affaires, pour gagner bilan à tel niveau. Donc, il n'y a pas un bagage comme si ou venir en PME. C'est tout un travail. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de petites entreprises qu'on pourrait développer pour venir des PME. Parce que autant qu'une entreprise a développé, c'est autant que la porte a plus value, a une valeur ajoutée. Pour pays, pour économie pays. Merci. Merci. Je vais chaque monde qui est pour faire intervention pour identifier avant que vous preniez la parole, s'il vous plaît. Merci, Madame Laura-Georges. Moi, c'est comme j'ai perdu, PDG de TPE, c'est Tokin, c'est fournisseur de Sojibank. Fournisseur de Sojibank des produits détergents. Chaque association a une possibilité de faire ou pas, ils ont toujours offert les produits. Alors, question qui s'allie, est-ce que vous ne pas par un plan pour aider des PME, des PME, en sorte que vous t'a aidé ou t'a fourni en termes de crédit, mais c'est pas complètement bien déterminé pour pas passer des parcours qui t'a pas été difficile pour PME. Est-ce que, bon, je pense que le groupe Sojibank a une filiale qui est le Sojisol qui travaille avec les TPE et les PME. Est-ce qu'il y a un plan de financement? Oui, ça existe. Ça existe. Le financement est disponible. Nous avons plus que 25 000 clients. Donc, ça existe. Donc, si tu veux avoir un crédit, c'est qui compliqué pour te situer, c'est l'enseignant à travers le groupe plan. Parce qu'on dit où son fournisseur pour le groupe Sojibank. Donc, ce n'est pas une chose qui est cachée quelque part. Donc, le groupe Sojibank a une filiale qui s'occupe de ça, de financer les petites et les moyennes entreprises et de financer les micro-entreprises. Et on le fait. Et Sojisol existe depuis 2000. Depuis 2000 sur le marché. Donc, nous sommes marché, hein, c'est ça qu'on a fait, c'est ça que métier nous. C'est ça que métier nous à travers le groupe. Là. C'est spécialité nous ça à travers le groupe Sojibank. Donc, si vous êtes intéressé à un financement, Sojisol qui accompagne vous. Sojisol qui vient faire évaluation business. Sojisol qui situe vous. En fonction de critères, nous dit là, dit que son petit une micro-entreprise. Parce que j'en parle là, ou déjà situé comme une micro-entreprise. Donc,
Dans la mesure où tu veux avoir un crédit, parce qu'on parlait de crédit, le crédit est là, le crédit est disponible. Le crédit est disponible pour tous les micro-entrepreneurs. Yo vini, na cherché yo. Hein? Nous disons, yo vini la kainou, na cherché yo. Mais, j'en so dit là, Laura, c'est notre métier. Ça veut dire là, Soje Sol, c'est les experts. Pas de l'autre côté pour aller pour Chita, pour joindre assistance, pour capable et joindre prêt pour besoin pour faire business ou en grandir. Oui, mais avec conviction, qu'on dit là. Bon, c'est normal. De toute façon, c'est directrice réseau Soje Sol qui a parlé. Nous avons chapeau Soje Sol, nous avons expérience Soje Sol. Donc, 20 ans, nous avons côtoyé micro-entreprise. 20 ans que nous avons côtoyé micro-entreprise. Donc, c'est ça nous fait, c'est spécialité nous. Donc, c'est là quand même pour me dire, vini pour me servir. Là, je suis là pour me servir. C'est job, moi, c'est rôle nous dans le groupe Soje Bank. De pour qu'on ait une entreprise, nous là, nous ne disons pas l'autre. Il y en a, il y a cherché, il y a cité, il y a disponible, il y a là, il y a sur Internet, il y a sur marché, il y a visible. Mais moi-même, je l'invite à venir chez moi, il sera servi. Oui, mais ça. Donc, nous avons l'autre question encore qui était dans la salle là, avant que nous retournions en ligne, pour, parce que nous avons deux à trois autres questions encore. Identifiez-vous et puis posez question là, s'il vous plaît. Ah, on ne t'entend pas. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci à la Canada, je vous souhaite le sujet ça. Maintenant, on va me dire un petit peu de économiste. Moi, j'ai une idée d'entreprise. C'est écolo qui pratiquement et aller lancer dans le business. Alors, normalement, question par maintenant, dans mes connaissances, est-ce que taux d'intérêt et niveau financier, est-ce qu'il n'y a pas un cost majeur dans le ralentissement, le développement, micro BNP pour développer? Par contre, si tu as permis, moi, tout nos questions. Par contre, si tu as permis, moi, d'où évaluation pour est-ce qu'on a son force majeure au détriment de micro-entreprise? Ça fait bien avant ça, c'est ça. C'est parce que, en pile, les entrepreneurs, souvent, les allés, ils vont dire, tout est d'accord. Ça n'a pas un premier temps pour m'appuyer. Oui, ah, ok. Mais ça c'est réflexe normal. Pas mon côté, il y a prêto ou pas prêto d'intérêt à haut, non comme ça. Et puis prêto ou prêté pour mettre sous lui, ou pas le haut. Il te met ton zami, il te met ton pont, il va prendre la rue. Ou prêto d'intérêt à haut. Quel que soit toi, si tu es capable, si tu pas bon faut payer rien, si c'est dit t'as bon. Et gars mon même c'est capable mettre la tête sous dit t'as voulu. Tu comprends? Donc c'est normal, il faut parler de taux d'intérêt là, qui c'est un sujet qui est en pile débat. Il faut pas considérer le taux d'intérêt seul. C'est tout un package. Il ne faut pas regarder seulement le taux d'intérêt. Si on regarde seulement le taux d'intérêt, c'est ce qu'on dit entreprise qui a fermé. Parce que yo même tout faut vivre. C'est ça, faut vivre. Et puis yo vivre, peut-être même structure que y a demandé à un niveau ou à un autre, yo besoin de tout. Yo besoin pour vivre. Parce que c'est pas un corps don, c'est pas une donation, yo dit bail corps. Est-ce que vous comprenez? C'est pas un corps, y a bail, yo dit mais don, fait bail et puis y a met intérêt sous lit. Donc, c'est un COB que y a des déposants mettent en côté, que ce soit un coopératif, que ce soit un côté le joignant, qui mettent en côté ou à utiliser. Et Jules Vinman Doli, je ne peux pas dire que je prête les gens, je ne peux pas remettre moi. Donc, il faut le rentrer. Donc, ton intérêt, je ne peux pas avoir aucun cas. Parce que quand tu as des clients qui ont commencé à avoir des crédits de 2000 goudes avec la Soje Sol, de 2000 goudes, qu'on y a cap gain 15 millions de goudes, Ma quoi, c'est ton intérêt à faire ça. Ma quoi, c'est ton intérêt à faire ça. Donc, sinon, on n'aurait pas autant de clients. Sinon, le secteur, globalement, n'aurait pas autant de clients. Donc, il n'y a pas que Soje Sol à faire le crédit. Donc, le secteur, ça va financer le secteur. Ma quoi, si c'est ton intérêt à nous avoir des clients. Ma quoi, tout nous dit que nous résignons. Moi, je vais garder en plus. Il faut nous questionner ça à nous pour accompagner. Ce n'est pas ça le bon moi seulement qui se crédit, c'est lui qui a critiqué, c'est lui que nous, ouais.
faut critiquer tout, faut mettre yeux nous, faut mettre nous on faut un cri d'alarme pour dire que pour ton intérêt à diminuer, faut faire des débats, qui ça qui permettre les diminuer, qui ça entreprise qui a fait pour diminuer, est-ce que ça dépend de lui seulement? Donc on a tendance à regarder ce qu'on voit, c'est ça moi bon il m'a critiqué, mais il y a tout, il y a pile bagarre qui a supposé encadrer notre entreprise, ça a supposé joindre sur terrain, sur marché qui pas disponible. Même j'en paye courant, j'en paye courant. Vous besoin génératif, vous besoin génératif, vous besoin inverte. C'est pas que vous baillez, vous baillez. Donc c'est le pays a besoin de gros réformes. Avant que nous touchions la particularité, ça, qui c'est taux d'intérêt, comme dit nous avons des clients qui commencent à 2000 gouttes. Vous voyez aujourd'hui ce que 2000 gouttes donnent. À 2000 gouttes, qui prêtent 15 millions de gouttes, qui prêtent 18 millions de gouttes. Des PME, je parle des PME, qui ont commencé, qui ont 20 prêts, 25 prêts avec nous. Donc, on pense que si c'est ton intérêt, il t'a mouru déjà. Maintenant, il ne faut pas oublier, il y a des gens qui investissent n'importe comment. Pas invité, je l'ai dit, ils n'ont pas investi intelligemment. Ils ont prêté comme l'un, ils ont fait communion, ils ont fait fête, parce que le voisin a fait la fête de son enfant. Fête là, t'es belle, il faut le faire fête en belle, il faut le faire communion, il faut le faire mariage, il faut le faire c'est tout dans comme liberté. C'est pas n'importe quoi, non, dans salle, dans salle, bien, non, là, il s'est dans l'autre, il fait là. Dans comme liberté, depuis le prêté, là, il y a tout le bagage sous lui. Il y a des machines pour l'acheter, il y a des pour l'acheter, il y a un pile de pour consommer, c'est l'encobla. Donc, il faut qu'on investisse intelligemment. Ça arrive pour investir intelligemment, maintenant, il y a des crises, il y a des crises internes ou externes qui viennent se couer, des crises inattendues qui viennent se couer. Mais dans un premier temps, on prête comme investir intelligemment. Investir pour rapporter nos profits, investir pour l'aider à développer l'entreprise. Voilà. Il a une autre question. Tout à l'heure, donc, dis-nous que une fois que l'entreprise a fait février, il t'a supposé joindre assistance technique, former ou tout ça. Donc, est-ce que sur le sol, on t'a fait ça? C'est pas métier. Ça t'a capable de voler que Soje Sol développer la carrière à l'avenir. Mais c'est pas sa métier. Donc, et puis, parce qu'il y a d'autres instances qui t'a pas, mettez focus sur aspect ça, sur aspect formation, sur aspect assistance technique. C'est ça me dit à la fin. C'est tout ça pour harmoniser. À dire gouvernement, loi, assistance technique, formation. Institution microfinance là, qui fait microcrédit, il n'y a pas qu'à occuper de tout bagaille ça. Yo. Donc, il y a un aspect déjà occupé. Je ne dis pas qu'à la longue, il doit jouer un moyen pour faire ça. Mais il y a un coût. Il y a un coût. Ce n'est pas comme ça la formation va le faire. Ce n'est pas comme ça qu'on va l'assistance technique. Donc, que chaque monde joue un rôle, si chaque monde joue un rôle, l'œil va harmoniser, il va le faire que ça nous a besoin dans le développement PME, dans l'économie pays d'Haïti. Merci. Nous avons deux autres questions encore dans la salle-là. Je vais rappeler que nous avons suivi une présentation qui est faite par Mme Laura Edma-Georges, qui est directrice réseau et crédit dans Soje Sol. Oui. Présentez-vous et puis la question, c'est bonjour à tout le monde, spécialement avec Mme la conseillère. Donc, non pas M. Walder Titus, mais qui a une licence dans les sciences affaires. Et maintenant, c'est étudiant en maîtrise en global leadership management à l'Université Infocal. Donc, moi-même, c'est président GRUD, qui est le groupe de réflexion des universitaires pour le développement social. Donc, c'est un groupe qui réunit ensemble des universitaires et dans les différentes universités, et dans les différents domaines aussi. Donc, nous avons comme objectif primordial, c'est pour le développement territorial sur tout le territoire national. Donc, dimanche 30, nous avons une belle séance de formation. Donc, nous invitons tout le monde qui est capable de suivre ces informations. Tellement c'est oser devenir patron. Et sujet A, c'est les compétences nécessaires pour créer votre propre entreprise. Donc, c'est un expert qui a fait formation ça dans le local, la pomme des maçons, 2h, 5h. Donc, nous invitons tout le monde. Donc, madame, question par maintenant. Et du fait qu'en Haïti, nous sommes toujours frappés par des moments de crise. Donc, soit crise économique, politique, etc. Sanitaire. Et bien, voilà. Mais il y a une crise où tout le monde essaie de focus sur ces crises financement. Donc, comment maintenant, étant que
étant que directrice son du sol, capable maintenant d'accompagner une entreprise, une PME qui frappe dans le moment de crise, comment capable maintenant de jouer un financement qui, de manière spéciale, dans son du sol. Nous sommes dit là, pourquoi un internaute qui te pose des questions, hein? Donc c'est comment qu'a aidé au monde sortir d'une crise. Non seulement accompagnement ça ou qu'une ça recommandation ça ou qu'une toute faite là, on parlait là de Sojesol directement. Comment on peut aider sortir dans ça? La première démarche, si c'est Sojesol que vous voulez qui retire dans la crise ça, il faut venir vers nous. Il faut venir vers nous pour expliquer ce qui est la situation. On peut obliger ton client. On peut obliger ton client dans un premier temps pour dire que m'a vienne vers Sojesol. Dans la mesure où on a une entreprise qui existe, nous sommes capables de chita avoir pour nous voir est-ce que son entreprise nous sommes capables de financer. Il ne faut pas oublier ce rôle. Nous, c'est pour un bagage comme si c'est pour un dilemme financement. En pile fois, il y a parlé de financement, mais en pile fois, tout le monde n'a pas fait des marches. Il y a des promotions qui sont faites autour, il y a des conférences qui sont faites, il y a des entreprises qui sont des coopératives qui font pile travail dans des zones éloignées. Institutions microcrédit, il y a très loin pour essayer de faire des nous voyons ouais, bâtiment physique qui existe. Mais en pile fois, on y aurait des rumeurs, ça mon abdi, ça l'autre abdi. Donc, c'est des marchands, il faut aller vers l'entreprise aussi. Même si je suis choisi à faire des campagnes de promotion, à louer des clients, à l'en zone qui gagne des entrepreneurs pour offrir aux crédits, ça arrive au beaucoup arriver sous. Mais au même tout, puisque ou est que Sojesol existe, il faut faire des marchands la vie vers nous-mêmes. Même si on te dit l'autre confrère, nous sommes là pour ça. Ou besoin d'accompagnement spécifique, j'en dis, hein? Vini, après nous qu'a parlé, après nous qu'a échangé pour nous qui ça qu'a fait. Mais là, je ne peux pas répondre, je ne peux pas avoir une réponse exacte pour te dire que voici ce qu'on va faire aujourd'hui, voici ce qu'on va faire demain. On doit évaluer, on doit faire des constats, on doit discuter et de là, on va sortir avec des décisions. Des décisions qui peuvent être assez intéressantes pour l'entreprise ou pour le développement d'entreprise. Qui a fait que vous venez nos clients sur Sojesol demain? Donc, on est ouvert. En ce sens, il n'y a pas de discrimination à la Sojesol. C'est ça qu'on a fait, c'est ça métier, c'est ça qu'on a fait pour vivre. Donc, on est prêt. On est prêt à accueillir les entrepreneurs. On est prêt à les aider à développer. On est fiers de nos entrepreneurs qui sont dans tel niveau, arrivés dans tel niveau. On est fiers. Donc, ce n'est pas une discrimination, m'observer un tel, je vais donner du crédit à telle catégorie, je ne vais pas donner à telle autre catégorie. Non, nous desservons les entrepreneurs. C'est non entrepreneurs là pour gagner. C'est business là pour exister. Depuis l'exister, nous avons besoin de porte de sortie ensemble avec vous. Comme question est adressée à moi-même, à Sojesol en soi. Donc, on est ouvert. On peut après discuter, échanger les coordonnées, parler en tigeant plus sous besoin actuel ou en, mais dites-le, faites passer le message. On est ouvert. C'est notre métier. On est là pour ça. Merci. Nous avons place pour deux questions encore. Et heureusement, c'est dans cette salle-là que vous êtes. Nous avons demandé pour vous avancer, pour vous présenter et poser des questions, s'il vous plaît. Ah, bravo. Finalement, on dame présentée pour venir poser des questions. Je pense que ce n'est pas la jeune fille, oui. Oui, on t'entend pas. Avance-toi sur le micro. On ne t'entend pas. C'est un choix. Mais est-ce qu'à la Sojesol, vous ne financez pas les startups? Quel genre de startup? Dans quel secteur d'activité vous aimez bon, financer un startup? Bon, on ne peut pas dire là, pendant que je te parle là, il y a une activité que nous avons financé un startup. Est-ce que c'est le projet à venir joindre nous? Merci à vous, je dis pas. On est dans tout à la Sojesol. On est dans tout. Commerce, service, production agricole, élevage,
stockage, on est dans tout. Artisan, on est dans tout. Donc, n'hésitez pas. Pas dire que ah, c'est commerce sur prêté. C'est normal. Commerce sont tellement paraître visible. Vous pouvez penser que c'est commerce sur j'ai sur le prêté. Non, on est dans tous les secteurs. OK? Deuxième. Si on a un start-up n'arrive pas à avoir le financement, est-ce que c'est une bonne idée de prendre le petit capital qu'on a personnel, de faire un placement dans, de faire un placement et d'utiliser les intérêts qu'on va verser? C'est une bonne idée? Je ne saisis pas trop bien la question. Je prends. Si on a 50 000 ou 100 000, donc on a besoin de plus que 100 000 gouttes pour fonctionner, pour mettre ça sur pied pendant une période d'un an. Mais on n'arrive pas à trouver et le reste. Donc est-ce que on n'arrive pas à trouver d'autres financements? Est-ce qu'on peut donner les 100 000 gouttes et la moitié 50 000? D'aller faire ça, de passer ça, et puis comment on va verser des intérêts, avec des intérêts, on va faire quelque chose avec. Bon, c'est juste... Tu vois que c'est difficile de te dire d'aller enlever tes 100 000 gouttes pour investir, tes 100 000 gouttes que tu as à la banque pour investir. Mais moi, à ta place, si j'ai 100 000 gouttes à la banque, mon projet... Mon projet est viable, m'apprends pour m'investir. Si tu voulais un conseil de moi, m'apprends pour m'investir dans la mesure où que mon projet est viable. Parce que tu peux avoir plus que ça à la banque des années après, ou quand il y a plus comme que ça, ou quand fait plus réserve, souvent il y a plus réserve. Mais dans la mesure où tu n'as pas les moyens pour commencer, ou pas ta joindre au financement, en parenthèse, si tu as un projet, ce que tu dis, c'est par un exemple, tu peux nous voir, entre parenthèses. Si tu as un projet, tu as un minimum, un capital, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à faire des manches. Maintenant, ton point, c'est comme là. Pour gagner, tu te demandes est-ce que ce n'est pas suffisant. C'est ce que je te dis. Tu viens nous voir. Essaie. Il faut essayer. Il faut toujours essayer. Il faut se dire que qu'est-ce que je peux faire. Et il faut essayer. Il faut essayer avec les autres. Il faut essayer à la Sogesol. Parce qu'au fur et à mesure, on va commencer par réfléchir pour cette catégorie-là, pour les start-up. Donc, n'hésitez pas, essayez, venez nous voir, on peut se partager les coordonnées pour voir qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ton projet, où tu as un minimum, il te faut un petit peu plus pour démarrer le projet. D'accord, merci. Merci. Maintenant, on arrive à la dernière question. Encore une femme, bravo. Mais nous connaissons entre parenthèses, je dis, mesdames, vous pouvez gérer le business au plus bien. Hein? Oui, monsieur, on a ça l'a dit. Monsieur, on a ça l'a dit, ouais. Hein? Monsieur, on dit, ouais. Il dit, ouais. Hein? En pile fois. Ça arrive que en pile entrepreneur, même en termes visuellement, ouais, il dit que vous préférez que c'est madame qui gère ça. Vous préférez que ça. Vous préférez parce que vous avez l'impression que. On dirait que pas comme si c'est gestion de la famille, gestion du ménage, ou l'impression qu'il y a plus brain sans ça. Ça, ce que je vous dis, je le répète en fonction des hommes, de nos clients qui disent ah, la madame était là, business santé. Ou si madame était là, ou si mon fille avait business santé. Ça ne veut pas dire que monsieur va gérer l'entreprise bien, mais expérience, je parle d'expérience, mesdames, vous pouvez gérer business très bien. Et puis, il y a façon de vendre. Il y a la vente aussi, de capter les clients. Les clients du côté, j'en parle avec elle. Et puis, une fois, monsieur, il y a un petit chéri, fort, petit film, pas fait maman ça. Donc, il y a une façon que vous faites marketing. Peut-être qu'il y a tout ça aussi comme élément qui fait un peu une fois que vous dites, mesdames, vous pouvez gérer le business plus bien que monsieur. Voilà, c'était pour t'introduire. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Et merci pour l'invitation. Moi, c'est Catherine, c'est une directrice exécutive, queen, entrepreneur, une entreprise qui a été gourmet pour entrepreneur, une vie personnelle, on dit tantôt. Parce qu'il y a toujours plus de travail, sur réussite, mais on peut faire au point de vue.
on peut faire équilibre entre vie professionnelle avec vie personnelle. Alors, et moi, j'ai un ami qui m'a entreprise qui a demandé pour être au compte. Il m'a demandé 20 000 dollars à Haïtien et au Bali 700 000 gouttes. 100 000 gouttes, on dit 100 000 gouttes. 100 000 gouttes, et puis il va être 35 000 gouttes de l'Église. Qui sent qui fait ça, en fait? Je pense que le premier bagage qui fait que entre Salmandéa, Salmandéa, ça ne peut pas dire ses capacités, son cap, son B. Salmandéa dépend de qui pour j'en gagner. Salmandéa dépend de bilan, de situation entreprise. Ça que Zan Moulin doit dire que si la lance au sol, il m'a dit, Salmandéa, c'est son tarémé, pas oublier, c'est son tarémé. Son tarémé, on pas obligé, c'est ça, il faut évaluer, il faut faire analyse business là. L'autre chose, on dit ça fait, faut dire en tête où si c'est en termes de confiance, si on pas t'apprêter, on pas t'apprêter du tout parce que l'argent a risque. Que le 35 000 gouttes, que le 100 000 gouttes, que le 25 000 gouttes, le risque il prend déjà. Est-ce que tu vois? Donc nous pas même parler de aspect que on pas t'apprêter, c'est ça qui fait au bal 35 000 gouttes. Donc si on pas t'abali, on pas t'abali du tout. Donc la société seule a pris le risque. Donc là moi-même, je n'ai pas son dossier en main pour te dire mais qui raison au balé. Mais c'est évoqué aux quelques raisons, dépendamment de l'entreprise, de la taille, qui projet, on pile l'autre bagaille qui est capable, condition qui est capable de réunir. Peut-être que vous avez dit tout, s'il fait tel genre, prochain prêt, la cajoune plus scob. Peut-être que juste vous, mais il juste baou, donner pour le baou, mais il n'y a pas plus d'éléments, parce que c'est sûr que là, au fin de monter dossier, il n'y a pas parlé avec. Il y a seulement juste vous, que l'Allemand est prêté sur le sol, il m'a dit 100 000 gouttes, il y a 35 000 gouttes. Mais je suis sûr que vous n'avez pas 35 000 gouttes là, et puis vous virez aller. Donc, yo te chita parler avec elle, y a la kaili, yo visite entreprise, yo parler avec elle, yo discute avec elle, yo dit peut-être gen petit mal pour ta changer, gen pile bagay que yo. Comprends? Donc, je pense que li pa bo tout élément yo, tout parcours dossier, li juste dou que le mande 100 000 goud, yo bal 35 000 goud. Donc, moi personnellement, je ne peux pas te dire pour qui ça bal 35 000 goud là, même dou tout ça qui est élément qui ka joué, qui ka influencé décision pour bal 35 000 goud là. D'accord, merci. Merci beaucoup. C'était une séance qui est très enrichissante et comment gérer une PME en période de crise. Et félicitations à Laura Major, directrice réseau et crédit Sogesol, qui prend le soin pour vraiment naviguer autour de sujets, hein, des questions qui connectent avec la gestion de crise là. Pour l'été, prend le soin de répondre pour soit monde qui était en présentiel ou bien monde qui était en ligne. Merci, nous félicitons pour habileté ça, agilité ça qu'on fait preuve là. Donc SSS c'est ça. SSS Sogebank Startup Saturdays. J'ai entendu dans la présentation là, il faut se préparer et à la relance. Groupe Sogebank est déjà et emboîté le pas parce que nous commençons avec séance ça yo. Pour former, éduquer jeunes sur comment monter entreprise, comment vendre entreprise. Et là, maintenant, nous parlons de comment gérer entreprise par rapport avec des aléas qui existaient, les crises, soit humanitaires ou bien politiques, ou bien n'importe quelle crise qui va venir. C'est dans le contexte que nous avons gagné Laura Jean avec nous la matin. Donc, SSS, j'en ai dit encore, Laura, c'est. Vous invitez entrepreneur à mettre pied à terre. Groupe Sogebank mettez pied à terre déjà parce que nous commençons à parler avec jeunes, à parler avec entrepreneurs. Nous créons un environnement pour que start-up yo ka vini et présenter projet. On a profité sur la même ligne ça saluer Punch qui c'est une structure qui là pour encadrer qui mettait des environnements propices pour que jeunes rejoignent nos côtés pour venir chita réfléchir, mettre des outils à disposition et tout. Donc tout ça c'est SSS groupe Sogebank qui mettait tout ça à la disposition à la portée de la jeunesse haïtienne parce que nous voulons construire l'autre Haïti, nous voulons encourager entrepreneurs à prendre risque, mais risque il faut que c'est des risques qui calculés, il faut que c'est des risques qui joignent accompagnement des experts. La preuve en est bien grande, nous avions eu Laura George de la Sogesol avec nous, qui m'a donné de très bons conseils, qui montrent nous que nous capables. Si nous mettons tête sous épaule nous et nous prenons conseil qu'il faut, nous avons réussi dans l'entreprise.
Par contre, si Laura ou bien un mot, tu as besoin de placer avant que nous concluions. Bon, dernier mot, m'tab di, merci à Sojebank, à groupe Sojebank. Merci à la Sojesol, côté que nous avons parcours 20 ans d'expérience à la Sojesol. Donc, nous avons gens connaissent mon nom, nous avons connaissent, nous fait que nous côtoyons en pile PME. Merci à Banj, nous pensons que c'est une activité que pour nous encourager, aider entrepreneurs identifiés, aider à connaître valeurs, aider à connaître qui ça vaut dans la société. Et profiter de la plateforme ça pour me dire que c'est un cri d'alarme. Il faut que entrepreneurs disent ça au besoin. Il faut que vous arrêtez à regarder un seul aspect, l'aspect qui est le financement, qui est le taux. Ils doivent regarder tout ce qui peut accompagner au développement d'une micro-entreprise ou d'une petite et moyenne entreprise. Merci encore. Merci aux internautes. Merci à tous ceux qui accompagnaient l'initiative ça, de loin ou de près en termes de promotion. Moi, c'est son initiative à encourager et à continuer. Merci aux entrepreneurs. Merci. Nous avons besoin d'âme. Nous avons besoin d'accompagnement. Donc, essayez, chers entrepreneurs, d'être très agiles et très ouverts face aux situations de crise. Et pour finir, je vous dis que la Sojesol est disponible. La Sojesol est là pour vous accompagner dans vos démarches de crédit. Donc, n'hésitez pas, venez nous voir. Merci. Merci. Merci, Laura. Sojesol, c'est déjà 20 ans sur le marché. De 2000 à 2020, ça fait 20 ans d'expérience, 20 ans d'accompagnement et des PME, des petites, des micro-entreprises également. Donc, n'hésitez pas, les portes de la Sojesol sont grandes ouvertes pour vous, pour vous accompagner entre jeunes entrepreneurs ou bien entrepreneurs avérés, mais qui besoin d'un petit booster, un petit coup de pouce, Sojesol là, aptano. Donc, SSS, Sojebank Startup Saturdays, c'est ça. Et un espace qui permet d'enrichir connaissances dans divers domaines qui permettent de construire l'esprit ou mais construire business surtout. C'est dans la même logique ça que nous annonçons la prochaine session qui c'est pour le 5 septembre prochain. Donc, si nous avons tiré cap, nous avons dit que nous avons commencé avec le modèle proposé par Marc Alain, comment monter son entreprise. Nous passons par et Work André, comment vendre son entreprise, comment présenter son entreprise pour convaincre. Nous passons aujourd'hui à la gestion de l'entreprise du PME en période de crise. Et prochaine séance que nous avons bien, nous allons tourner autour des ressources humaines. Parce que ça également, c'est une gestion à faire lorsqu'on veut monter une entreprise. Sojebank Startup Saturdays, c'est avec vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Le groupe Sojebank veut vous accompagner. Et n'oubliez jamais que le slogan du groupe Sojebank, c'est toujours bon côté. Et nous pas qu'à aller sans nous pas rappeler que COVID là, li réel, li existe, li toujours sur le territoire. Les mesures barrières, port du masque, laver mes noms et puis faire attention avec le nous aller dans des espaces qui y a tout pour nous respecter la distanciation sociale. Sojebank toujours bon côté. Sojebank SSS, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup et à bientôt. 5 septembre. Merci.